Balai encore. Bonjour, j'ai presque fini. Ah. J'ai fini bientôt. Dépêche-toi, nous devons partir au champ, tu le sais. Tu dois te dépêcher, tu as presque fini. Ça veut dire que la nourriture est prête. Qu'en est-il de l'igname? C'est presque prêt, passons juste un peu. C'est encore feu, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Dépêche-toi. Ça ne mettra plus long, j'arrive. Dépêche-toi, nous devons aller un peu plus tôt. Donc, comme je te le disais, tu vois cet angle où on a coupé le régime de noix. Mmh. C'est le premier. L'ocre, c'est ici, juste sur cette parcelle. On cultivait ici avant. Tu peux voir, on récolte déjà ceci. Mmh. Ok, tout ce terrain, plus celui qu'on laboure, nous appartient. Maintenant, cet angle est un lieu particulier. Tu vois cette maison inachevée. Mmh. C'est ton père qui l'a construite avant de mourir. J'ai promis de l'achever en son nom. Je vais l'achever. Mm-hmm. Par la grâce de Dieu, c'est pourquoi j'ai laissé ces poteaux ici et travaillé de l'autre côté. Si on commençait par ici, ça allait fragiliser ces poteaux. Allons-y, tu dois savoir que d'accord. Cette parcelle fait partie du terrain. Ok, d'accord. Merci. Ok. Thank you.
Oh, pas encore. Ah ah. Dépêche-toi, je dois aller faire à manger à mon père. Oh. Dépêche-toi. Ah, t'es trop lente. Oh, Seigneur. Je viens avec toi. Teta, bon après-midi. Mon nom, c'est Ife Tigre. Je suis la fille des défunts monsieur et madame Ikeme Akwama. Et mon oncle s'appelle Oyemeshi. Je le connais. Oui, je le connais. Onyemashi. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tata, s'il te plaît, je sais que ça n'a rien à voir avec vous. Mais je reviens du marché et je me suis perdue en chemin. Eya, désolée, d'accord? Et tu pleures même déjà. Une grande fille comme toi, tu pleures. Tu ne retrouves même pas... Arrête ça. Arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la façon dont tu te comportes parfois. Tu n'aimes pas ça. C'est un peu loin d'ici. Viens, je vais t'y conduire. C'est loin d'ici. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Je n'aime pas du tout ça. Arrête. Arrête. Je prépare de la bouillie presque tous les jours. Oui, c'est chez nous, c'est notre portail. Je t'en prie. Arrête de te moquer. C'est notre portail. Bravo. Maintenant que tu t'es retrouvée, j'espère que tu vas plus pleurer. Merci. Hein? Amarashi. Quoi? Je vais t'attendre ici. Oh. Mais viens, on va à l'intérieur, non? Ce n'est pas possible. Allez où? D'accord, c'est bon. Merci. Voici ma maison. Amarashi! Ne pleure plus haut. Je t'en prie, je vais devoir partir maintenant. Viens qu'on s'en aille d'ici, non? Rappelle-toi, tu as dit que tu viendras demain. Je promets, je reviendrai. Merci, Tata. Au revoir. Je te remercie. Je t'en prie. Merci. Amarashi! Oui! Ah! Toi. Toi, regarde-toi, je n'aime pas la façon dont tu te comportes parfois. Je n'aime pas ne ça. Ne commence même pas. Je suis très en colère contre toi. Ah. Je suis très, très en colère. Regarde juste la façon dont tu te... S'il te plaît, arrête-moi ça. Je n'aime pas je ça. Ce n'est pas bien. Essaye d'être gentil parfois. C'est ce n'est ça. Pas bien. Ce n'est pas bien. Tu aimes ce pain? Bien sûr. Le pain de la ville. Cré sur cré. Ce n'est pas comme tous ces pains qu'on vend ici au village. Mon oncle, sais-tu que je me suis presque égarée dans ce village? Comment? Sans une certaine Amarashi. En ce moment, ça aurait été une autre histoire. Ah, c'est ce que je t'avais dit. C'est bien de visiter le village. Au moins, tu t'es fait une amie. Elle viendra ici demain. Hein? Oh, c'est bien. Oui, tonton, demain je vais commencer à vendre de la bouillie. Ah, c'est une bonne nouvelle. Mais s'il te plaît, ne vends pas en dehors de ces villages. Non, je ne le ferai pas. Parce qu'il n'y aura pas un autre amarraché pour te montrer le chemin. Tonton, ne t'inquiète pas, je connais déjà les routes de ce village, donc je ne vais plus me si faire. Si ces garçons t'interpellent, ne réponds pas. Je ne même vais pas plus pour me acheter faire. La bouillie. Ou quoi que ce soit. Aucun problème. Aucun problème. Ne le finis pas, nous allons manger cette cranche demain soir. Demain soir, tu dis? Ne t'inquiète pas, demain nous boirons la bouillie.
goûter votre bouillie. La bouillie bien fraîche. Achetez votre bouillie sucrée. Votre bouillie sucrée. Mademoiselle, mademoiselle. De la bouillie bien fraîche. Venez acheter. Mademoiselle. Hey, salut mon frère. Je vais acheter de la bouillie. D'accord. La bouillie de combien? 50 naira. As-tu du sucre? Oui, j'en ai. D'accord. Donne-moi aussi du sucre. Bien fraîche. Achetez votre bouillie sucrée. Votre bouillie bien sucrée. Achetez votre bouillie. Bouillie sucrée. Bouillie fraîche, achetez votre bouillie sucrée. Votre bouillie bien sucrée, oh! Votre bouillie sucrée. Maman Obiano, maman Ikena, j'ai votre bouillie bien fraîche. De la bouillie bien sucrée. Achetez de la bouillie. Mademoiselle, s'il te plaît, viens. Je vais acheter de la bouillie. J'espère que c'est de la bonne bouillie que tu veux. Bien sûr, c'est de la bouillie. Ok. As-tu des graines de soja? Ce que j'avais est fini. D'accord, donne-moi de la bouillie et du sucre. D'accord. S'il te plaît, dépêche-toi. Je suis désolée de ne pas être venue hier, hein? Tu sais, ma mère n'était pas là, donc je ne pouvais pas quitter la maison. Mais tu n'as pas besoin de t'expliquer, oh. Je suis allée vendre de la bouillie hier. Es-tu sérieuse? Alors, ça a été? Ma chère, tu ne le croiras pas si je te dis que j'ai vendu 2000 naira. Es-tu sérieuse? Regarde l'argent. Ah, c'est incroyable, oh. Attends, avant que je commence à raconter des histoires. Mais relax, non? Oh, wow! Es-tu sérieuse? 2000 naira, juste de la bouillie. Seulement ça. La bouillie se vend-elle ainsi? Tu connais Mamo Biama, celle qui vend les médicaments. Elle a acheté 10 paquets au même moment. Cette femme est si gentille, tellement aimable. Je ne savais pas qu'on pouvait se faire de l'argent juste le avec commerce de la bouillie. Ça passe au... Ma soeur, c'est... Alors, c'est l'argent de la bouillie que tu as utilisé pour... C'est qu'avait cet argent. Tu ne pouvais pas ajouter de l'arachide et du lait. Petit avant. Ne t'inquiète pas la prochaine fois. Allez, laisse ça. Tu veux finir mon tapioca, toi, cette fille, hein? Avant que je n'oublie, va m'apporter cette bouillie. Je veux acheter cette délicieuse bouillie. Pour 100 naira, ne va pas apporter plus de 100 naira. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi l'argent. Dois-je d'abord te donner de l'argent? Va m'apporter ma part de bouillie. L'argent, tout ce qui fait tu veux, c'est l'argent. Tu sais, tu es une avare. Apporte la bouillie, je vais te donner l'argent. Va chercher la bouillie, je vais te donner. Donne-moi l'argent et je pars chercher la bouillie. Ah, 100 naira. 100 naira, tu veux m'humilier à cause de 100 naira. Donne-moi l'argent. Ok, oh. Tu n'es plus mon ami, oh. Tiens, va m'apporter la bouillie. J'apporte. Voilà ton argent. J'espère que cet argent est complet. C'est complet, pardon. Pas avant que je ne finisse ce tapioca. S'il te plaît, ne le finis pas. Oh, aïe! Je reviens, d'accord? Dépêche-toi. Ne finis pas ce tapioca, hein? Ton tapioca est sucré, oh. Je vais finir ce tapioca, oh. Oh, Dieu. Tu manges ce jus, mon tapioca. Il ne restait qu'un seul. Allez, tiens ça. Mon argent. De quel argent encore?
C'est incroyable. Je suis contente pour toi. Oh. C'est mon argent et je vais en profiter. Mais, Dieu merci. Pardon. Je suis heureuse pour vraiment toi. Vraiment lucratif ce business. Mais toi, petite avare, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, la prochaine fois, je donnerai la bouillie gratuitement, hein? D'accord. Ce n'est pas juste. Tu veux finir mon tapioca avant de partir? Allez, au revoir. Alors, bye bye, hein? Ce business de bouillie est vraiment lucratif, hein? Tu remercies Dieu. Chimo, qu'est-ce qu'il y a, non? Amarati, Ogini. Ogini, que faisais-tu là-bas? Hey! Seigneur, Amarati, laisse-moi te demander. Une minute, essaies-tu d'être ami avec cette chose puante? Mais réponds-moi. Ijoma, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi es-tu toujours comme ça? Pour l'amour de Dieu, cette fille est un être humain comme nous. Elle est toujours seule. Elle a besoin d'amis. Laisse-moi te dire. Elle ne pourra jamais être mon amie. Tu me déçois tellement, Amarati. Alors juste parce que l'autre jour, nous l'avons aidée à retrouver son chemin. Tu es maintenant son amie. C'est ainsi que tu choisis tes amis? Ijoma, tu es ma meilleure amie. Hey! Amarati! Qu'est-ce que tu tiens en main? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Amarati, une minute. Donc tu es allée acheter de la bouillie à ce sale porc. Hey! Donc tu n'as jamais goûté à sa bouillie? Tu me déçois tellement, Amarati. Attends, tu n'as pas encore goûté à sa bouillie? Une minute, approche. Es-tu sûre que tout va bien? Tu n'as pas encore goûté à sa bouillie? Es-tu sûre que tout va bien, Amarati? Sa bouillie est la meilleure dans ce village. Je ne peux pas croire. Tu dois goûter. Attends, ça. Tu dois goûter. Tu peux même acheter de la bouillie à cette fille? Tu peux boire sa bouillie dans ta bouche? Pourquoi pas? Mais laisse-moi t'avertir. Tu dois faire le choix entre elle et moi. Je ne peux pas être amie avec toi pendant que tu l'es avec cette sale fille. Ah, Ijoma. Ne t'inquiète pas. Depuis que tu l'as rencontrée en route, tu ne te sépares plus d'elle. Ijoma, qu'est-ce que tu as? C'est juste de la bouillie. Évite-moi. À cause de... Évite-moi. À cause de la bouillie. La bouillie faite avec de l'eau chaude, du lait et du sucre. Ijoma, mais cette bouillie est sucrée. Ijoma, c'est juste de la bouillie. Yeah, une bouillie ordinaire. Cette bouillie est sucrée. Une bouillie ordinaire. Bouillie bien fraîche. La meilleure bouillie de ce village. Yeah! Qu'est-ce que cette fille a? Ha! Ah! Tonton, bon arrivé, tonton. Oui, attends. Attends, ils ont pris mon biscuit. Ton biscuit? Attends. Attends. Mais, tu les as mal qu'est-ce portés. Qu'il y a? Allons. Que se passe-t-il? Même ton polo, tu l'as mal porté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de biscuit encore? Mon biscuit. Ils ont pris mon biscuit. Tonton, il n'y a personne ici. C'est quoi cette histoire de biscuit? Pourquoi te comportes-tu comme ça? S'il te plaît, arrête. Je ne suis pas... Je vais bien. Je vais bien. Tout ceci sort d'eau, hein? Mais, ils ont mon biscuit. Non, non, remettez-moi tonton, mon biscuit. Plaît. Tonton, s'il te plaît, viens. C'est quoi encore cette histoire mon biscuit? De biscuit? Maman, tu nous as appelés. Oui. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème, mais je vous ai appelés. Je vous ai appelés toutes les deux pour vous faire savoir que moi, votre mère, ne voudrais pas vous voir où que ce soit autour de cette fille appelée Ifitidere et de sa famille. Pourquoi, maman? Y a-t-il un problème? Les choses se passent dans cette famille. Et je ne pense pas que ce soit simple. Regarde le père qui se dépouillait tellement bien en fil. Ses affaires marchaient très, très, très bien. Et tout d'un coup, il est mort d'un très grave accident. Oh! Et ainsi que leur maman. Quant à elle, elle est morte d'une maladie rénale. Je vous assure. Et maintenant, alors, vous connaissez son oncle? Oui. Onyemeji, oui. Le monsieur était en ville.
se débrouillant très bien. Oui, c'est vrai. Et il a pris cette fille. Il fit Tidéré qui vivait avec eux, lui en fil. Et puis un jour, soudainement, pratiquement tout avait changé dans la fille de cet homme. Et comme vous pouvez le voir, le monsieur est ici au village. Mmh. Il est là, il se comporte comme un bon fou. Cet homme est vraiment fou. Un homme très riche qui vivait en ville. Donc, avec tout ceci, je pense que cette famille est maudite. En fait, c'est même une famille vraiment maudite. Donc, je ne veux pas vous voir, s'il vous plaît, autour de cette fille. Je vous en prie. C'est pour cette raison que je vous ai appelée. Pas étonnant, maman. Elle et son oncle sont revenus ici au village sans un seul centime. Rien, rien, rien. Ils ne sont rentrés avec rien. Eh, wow. De toute façon, maman, merci. Qui aurait cru que cette fille, au nom d'Efechidere, est maudite? Avec son air innocent. Hey. Maintenant, je pense que vous êtes déjà averti. Maman. Maintenant, vous pouvez repartir à la cuisine. Votre frère va bientôt rentrer. Oh, oui, maman. Il doit bientôt rentrer. Hey, vas-y. Allez, les filles, dépêchez-vous. Il ne doit pas trouver que vous n'avez pas fini. Dépêche-toi. Va à l'intérieur et... En robot. Tu es plus grande que ton âge. Toc, toc, toc. Maman me dirait... Hey. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est ici qu'on vend de la bouillie? Oui, oui, c'est moi qui vends. Oh, très bien. Je veux de la bouillie. Ok, la bouillie pour 300. Combien? 300. Ok. Et du sucre, le sucre de son Naira. Ok. Ah, il n'y a pas du nylon noir. Je n'en ai plus, désolé. Et comment vais-je transporter tout ceci? La prochaine fois, je vous donnerai un plastique noir. Comment ça, la prochaine fois, hein? Et je devais vous rembourser 100 naira, mais je n'ai pas de remboursement. Ah, mademoiselle, vous n'avez presque rien. D'accord, je viendrai récupérer mon remboursement. Ok, il n'y a pas de Regarde problème. Regarde ça. Désolé. C'est pourquoi je voulais du nylon noir. Oh, je te remercie. Merci. Reviens la prochaine fois. Petite paresseuse, bonjour, tu balais ici depuis que je suis parti. Tu es toujours là, avec tes oncles. Tu fais comme ça, tu ne balais pas. Depuis le matin. Confrère, n'est-ce pas là de la bouillie? C'est du crayon. Je veux l'utiliser pour faire mes dessins. À qui appartient cette bouillie? J'espère que ce n'est pas la bouillie de cette fille maudite. Que veux-tu dire, Tantino, fille maudite? Qu'est-ce qui fait d'elle une fille maudite? Comment ça, elle est maudite? Regarde cette C'est bouillie. Ainsi que vous salissez la réputation des gens. Cette fille est une bonne personne, d'accord? J'ai entendu l'histoire. Ce n'est pas une fille maudite, une fille travailleuse, donc vous ne cessez de dire du mal. Elle est mon frère. Et toi, tu es là. Tu ne peux même pas faire une simple chose. Hein? Quelqu'un est là à se débrouiller, vendant de la bouillie pour gagner sa vie, mais vous la maudissez. Grand frère, dis-moi, qui a cette bouillie? Es-tu folle? N'as-tu pas écouté ce que j'ai dit? Attends un peu, grand frère. Après tout ce qu'on t'a dit... T'es encore allé acheter de la bouillie? Que m'avez-vous dit? Que la fille est mauvaise? Elle est ceci, elle est cela. Qu'a-t-elle fait? Non, hey! Dis-moi, qu'a-t-elle fait? Anne, quozo, némé. Oh, tu crois bien? Grand S'il frère, vous plaît, dégagez tu n'entreras pas avec cette bouillie. Grand frère, tu n'entres pas. Tu n'entres pas avec cette bouillie. Tu n'entreras pas avec cette bouillie maudite. Même la main avec laquelle tu arrêtes cette bouillie. Je ne vous ai pas bien entendu. Maudite. Que moi, Palietti, je ne vais pas entrer avec cette bouillie. Cette bouillie C'est maudite, ce que vous dites? Dans la maison de notre père. Thank you.
que je ne vais pas entrer avec cette bouillie. Maman! Attends. Regardez-moi ces deux petites idiotes. Grand frère, ce que tu fais n'est pas juste. Oh. Grand frère, ce que tu fais n'est pas juste. Grand frère, tu apportes de la bouillie maudite dans la maison. Maman, hey. Grand frère, hey. Mon oncle, tonton, que fais-tu ici? Donne-moi ça. Mon biscuit, ils ont mon biscuit. Et viens avec mon biscuit. Ok, allons, je vais t'acheter des biscuits. Allons-y, les gens regardent. Que fais-tu? Allons-y. Je vais aller prendre un bain et puis récupérer mon biscuit. Je vais t'acheter des biscuits. Je t'achèterai tous les biscuits que tu veux, mais allons-y. Hein? Mm-hmm. Allons-y. S'il te plaît, tonton, arrête ça. Les gens nous regardent. Que voudrais-tu qu'ils disent c'est de compris. Nous? C'est compris. Le biscuit. Ils apportent un autre. Non, je suis celle qui vient avec. Allons-y. Je vais aller t'acheter d'autres biscuits. Allons-y. Le biscuit. Oui. What is it? Sorette, dis à maman que je ne pourrai pas aller là-bas maintenant, d'accord? J'irai là-bas plus tard. Je dois aller récupérer mon remboursement chez la fille qui m'a vendu la bouillie, d'accord? Grand frère, attends. Où as-tu acheté la bouillie ce matin? Chez Okema Kola. Okema Kola? La oui. Nièce. Donye Mechi. Oui, y a-t-il un problème? Chinekeme. Grand frère, qu'as-tu fait? Ah. Hey, Chimo. Qu'est-ce que j'entends là, grand frère? Sais-tu que...
Cette famille est maudite. Tu ne dois pas poser les pieds dans cette famille. En fait, cette concession. Ah, c'est juste de la bouillie que j'ai achetée. Je m'en vais récupérer ma monnaie. C'est quoi tout ça? Toi, tu n'as pas entendu l'histoire de cette fille. Maman nous a raconté l'histoire de cette fille maudite. Et toi, tu lui achètes de la bouillie. Ce n'est même pas la fille, la famille entière. Mais je ne sais rien de cette famille. Que s'est-il vraiment passé? Partout dans ce village, tout le monde connaît à propos de cette famille. Oui. Ils sont maudits. Grand frère, écoute. Ce que tu as fait est très grave. C'est très grave. Mon estomac me fait déjà très mal. Mais elle a l'habitude de vendre la bouillie dans ce village. Si elle est maudite, pourquoi vendrait-elle de la bouillie? D'accord, grand frère. As-tu déjà vu son plateau vide un jour? Elle la ramène sûrement à la maison. Écoute, grand frère. Personne n'achète chez elle. Personne. En fait, tu es son meilleur client. Oui. Oh, c'est vrai. Je n'ai jamais vu son plateau vide. Isogono. Tu vois maintenant. Mais attends, que s'est-il passé? Est-ce parce que... Que s'est-il grand vraiment frère, passé viens. Dans cette famille? Viens. Nous devons aller voir maman. Allez, viens, grand frère. Je vais demander à maman. Maman! Maman, réveille-toi. Maman doit lui dire. Votre bouillie sucrée. Venez acheter de la bouillie bien fraîche. Votre bouillie sucrée. Votre bouillie... Mon frère, vos pièces. Qu'est-ce qui arrive à ce gars? Votre bouillie sucrée? Achetez votre bouillie sucrée! Ce n'est pas bon pour moi. Regarde de ma peau. Dis-moi, fais voir ta peau. Qu'est-ce que tu mets comme huile? Ne me touche pas! Arrête ça. Va demander à Ifeti, celle qui vend la bouillie dégoûtante. Oui, j'aime les choses dégoûtantes, comme tu le dis. J'aime les choses sales. Je vais même encore aller en acheter. As-tu de l'argent? Salut, Tontine. Je vais bien. Tontine, puis-je te parler, s'il te plaît? Tu veux que je vienne? Izuma, je voudrais te parler une minute. Je reviens. Oui, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, quelque chose me dérange. Qu'est-ce que c'est? Il y a un homme à qui j'ai vendu de la bouillie. Je l'ai appelé pour qu'il récupère sa monnaie et il ne m'a pas répondu. Je l'ai appelé et je suis sûre qu'il a entendu ma voix. Mais il a prétendu ne pas m'entendre. Je ne sais pas. Je veux juste lui remettre sa monnaie. Ah, tu l'as appelé et il a prétendu ne pas t'entendre? Oui. Comment s'appelle-t-il? Genre, peux-tu le décrire? Non, c'est juste que, d'accord, il est brun, très brun et... Très brun et pas très grand de taille. Oh, je sais de qui tu parles. Et Kenny, il est brun et... Hey, oui. Hey! Oh, Sou! Hey. C'est mi fait quoi? Ifeti. Donc c'est maintenant Ekene. Tu as laissé la bouillie que tu vends pour courir après Ekene. Donc dans tes rêves les plus fous, dans ta misérable et sale vie insensée, tu penses que le Ekene que je connais poserait son regard sur toi. Qu'il poserait son regard sur ton sale corps. Yugaru, Ifegalu Suma. Il ne me regarde même pas. Hein? Belle comme je suis. La plus belle de ce village. C'est toi, cette chose puante qui vend de la bouillie dans tout le village. Écoute-moi très bien, le dieu que je loue vous exposera tous les deux. Emmène-nous au Menonwa. Ne l'écoute même pas. Ne l'écoute même pas. Je sais où il reste et je t'y amènerai. Hey! Amarachi, tu es une traîtresse. Tu connais où il reste et tu l'emmèneras. Et tu souris même. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon dieu vous exposera toutes les deux. Dans ce village, vous ne serez pas cachés. Écoute-moi très bien, arrête de rêver. Le Ekene que je connais ne pourra jamais, au gros jamais, dans cette vie, écoute-moi très bien, te parler. Regarde-le de toute façon, regarde-les, espèce de stupide, va te laver. Noirokuma,
Espèce de puant. Je ne sais pas où j'ai rencontré cette fille. Hors de ma vie. Je ne sais pas où j'ai rencontré cette fille, hein. Je sais qu'elle est que tu veux maintenant. Et je t'y amènerai personnellement demain. Merci, okay? Tata. Va vendre ta bouillie. Va vendre. Je t'y amènerai personnellement. Qui est-ce? Bon après-midi. Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème. Mon ami Fichi m'a demandé de la conduire chez toi afin de te donner ta monnaie. Oui, je rapporte ton remboursement. Depuis la dernière fois que vous êtes venu chez moi, je ne vous ai plus revu et je vous ai appelé l'autre jour et vous n'avez pas répondu. Je suis donc venu vous le donner. Oui, ta monnaie. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà oublié le remboursement. Tu n'avais pas à te déranger pour me l'apporter, hein? Tu peux le garder. Es-tu sûr? Pourquoi me poses-tu cette question, hein? Alors tu l'as stressée pour que elle m'apporte le remboursement. T'ai-je demandé quelque chose? Vous m'avez dit que vous viendrez le récupérer, mais... Mademoiselle, tu peux partir, ça va. Tu peux le garder. Quelqu'un te donne quelque chose et tu le rejettes. Garde-le, je n'en veux plus. Vous pouvez partir. Ok, c'est d'accord. On va partir. Prends soin de toi. Non, je n'en ai plus besoin. Tu peux le garder. Allez, vous pouvez partir. Ok, c'est bon. Au revoir. Prends soin de toi. Bye. Pourquoi me salue-t-elle comme quelqu'un à qui on a payé la dot? Suis-je votre père? Pourquoi me salue-t-elle? Elle s'amène avec sa malédiction pour me rembourser. T'ai-je demandé le remboursement? Hein? Paléthique, Bogo. Ça suffit. Arrête tout ça. Qui est ton paléthique? Es-tu normal? Tu vois cette fille que tu as amenée chez moi? Ne la ramène plus jamais chez moi. Je t'avertis. Ekem, fais-tu référence à mon ami Fedi Dere? Je fais référence à Beyoncé. J'ai l'impression que tu es devenue folle. Ne ramène plus jamais cette fille chez moi. Je t'avertis. Ekem, pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi? Allez, arrête-moi tout ça. Je te parle de mes problèmes et tu es là. Qui est ton Ekem? Si tu me touches encore une fois, je vais te donner une claque que tu n'oublieras jamais. Mon paliétique! Que t'a-t-elle fait, non, mon paliétique? Ekem! Prochainement, tu as de la chose. Ekem! Mon paliétique, attends! Ekem! Mon paliétique! Eh oui, j'ai là. Oh, où allez-vous? Je vais au champ. Vois-tu, il a plu hier, donc pas tout est humide. Tout le manioc et tout le champ. Mais non, tonton, tu ne peux pas aller au champ habillé comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Regarde comme tu es habillé. Écoute, je suis habillé comme un grand homme. Je suis habillé comme un grand. Un grand peut s'habiller comme il veut et aller où il veut aller. Je suis en train d'aller récolter mon manioc. Désolé, tu peux pas sortir comme ça, hein? Que diront les gens quand ils te verront habillé comme ça, hein? Que veux-tu qu'ils disent? Ne t'en fais pas. Les gens diront, grand homme, je vais aller prendre mon biscuit. Ne t'inquiète pas, nous irons au champ, mais pas maintenant, hein? Je t'emmènerai au champ, mais ce sera plus tard dans la journée. C'est encore très tôt, hein? Thank you.
Obélé, le gars plein aux as. Merde. Ekene. Ekene, dis-tu. Mon pote, y a-t-il un problème? J'ai oublié mes 500 000 dollars. C'est pour ça que je suis revenu. Ah, ce petit endroit où nous venons? Oui. Oh putain de merde! Oga, qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Attends. Ceci est mon gagne-pain. Attends un peu. C'est à moi qu'il parle? Non, ce n'est pas à toi qu'il parle. C'est à moi qu'il attends, parle? Attends, attends. Tu dis que tu as oublié tes 500... Mes 500 000 dollars! Ah. Je n'ai pas de temps à perdre. Je ne sais pas pourquoi vous parlez le croc français ici. Donnez mon argent pour que je quitte ici. Pour 5 Naira, vous voulez me retenir ici. Attends, calme-toi d'abord. C'est à moi que tu parles? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas de respect? C'est à moi qu'il parle? Hein? C'est à moi en que fait, tu parles. Non, non, ce n'est pas à toi qui parles. C'est à moi que tu t'adresses. Tu as vraiment oublié l'argent. Attends, attends, attends. Oga, donnez mon argent pour que allô? Je quitte ici. C'est quoi ces manières-là? Donnez-moi mon argent. Calme-toi, on te donnera ton argent. 500 000 Naira. C'est quoi ton problème? Apporte mes 500 000 dollars maintenant. Te mais dépêche-toi de attends, venir attends, ici. Attends, attends un peu. Attends, je vais mes 500 000 Naira tout de suite. Putain de merde. Mon pote. Et qu'il ne dit-tu? Mais ne te fâche pas. Et qu'il ne dit-tu? Je veux juste mon argent. Calme-toi. Écoute, ce qu'il y a à faire là maintenant, c'est de le payer. Mais tu ne m'as même pas dit que tu n'avais pas d'argent. J'aurais pris un peu d'argent avec moi. 500? Je n'en ai pas. Si tu me l'avais dit, okay, j'aurais trouvé un moyen d'avoir plaît, un peu d'argent avant d'arriver est-ce que ici. Ça fait 500? Ok, je te l'envoie. As-tu Aza? Donne-moi ton Aza pour que je t'envoie ces putains de 500. Transfert. Juste pour 500 night. Que le tonnerre de toute une génération. Arrête ça, c'est quoi ton problème? Si ne font-ils pas parle? Le transfert de 500? Écoute, surveille ton langage. Oga, voici tout ce que patron. Je te montre, lui, c'est mon argent. Patron. Oga, vous voyez ce coup de poing? C'est à moi qu'il vous voyez ce coup de poing? Je me nourris patiente grâce à cette peu, s'il te plaît. C'est juste pour 500 Naira. Donne-moi ton putain pourquoi de hasard, je te fais le transfert. Vous l'appelez même, ton gars. De corps. Anoubi, ah, je vais te... Ah, que se passe-t-il ici? Quel est ton problème? Que se passe-t-il? Donnez mon argent pour que c'est je quitte c'est ce que ici. Je te demande. Combien? Combien se passe-t-il? Juste pour 500 Naira, tu veux t'en prendre à eux? Juste c'est à cause argent. De 500 Naira. Allez, tiens, tiens tes 500 Naira. J'espère que ça va pas. Tu peux partir, tu peux partir. N'importe arrête de t'en prendre à garçon. Eux. Tu peux partir. Pourtant, ça suffit, tu vous peux vous partir. Ça va, tu peux partir. Ça va, c'est bon. Vas-y. Vous avez de la chance. Ça suffit, tu peux vas-y, partir. Vas-y, c'est bon. Tu as eu ton argent. Tu as eu ton argent et tu continues de faire la bouche. Bande de foirés. Allez, viens. Mec, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je n'aime pas ça. Oh bon, mais quel est ce genre d'embarras? Hein? Tu sais dans quoi tu m'as mis? La fille qui vient de payer cet argent, sais-tu? Je n'aime pas ça, s'il te plaît. Que veux-tu dire? Il fallait okay, juste me okay, dire okay, que tu n'as pas d'argent. Calme-toi. Tu connais cette fille? C'est quoi ça? Je te parle de mes problèmes et tu me demandes si je connais cette fille. Hein? Quand tu sors, remplis bien tes poches. À quoi bon t'appeler Odogwu? Calme-toi, gars. Je vais recevoir 20 000 Naira. Écoute, mon pote, je te dis juste la vérité. Que je vais te donner 10 000 Naira. Attends, tu vas. Tu me donneras 10 000 Naira. Obélé, si c'est une blague, arrête ça. Arrête ça. Toi, tu vas me donner 10 000 Naira. Calme-toi. Je te dis la vérité. Quand on arrivera, je te donnerai 10 000 Naira. Allons-y, dis-tu. Tchou. Dis-tu. Obélé, le plus fort. Dis-tu. Obélé, le plus fort. Ah. Obélé, mon pote. Tous les jours, je vois ton nom. Je vois ton nom. Il est fait très haut. Tu es en train de me flatter. On noterait 10 millions de Naira pour toi. Hey. Obélé, le plus riche. Tchou. Oui, tchou. C'est tchou. 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 Encore tout. Ne t'inquiète pas, je te dirai tout à propos de cette fille, hein. Tout ce que tu veux savoir sur elle, je te dirai. Pas de problème, relax un peu. C'est ainsi qu'on fait en Afrique. Ah, je pensais que c'était en Amérique. Oh, non, en Amérique. L'Afrique et l'Amérique, c'est la même chose, tu vois. Et Kennedy, tu... Dis-tu, c'est ainsi. Oui, je sais, allons-y. Ifechi est une fille très gentille. C'est une bonne personne.
Je dois vraiment m'excuser auprès d'elle. J'ai vraiment besoin de lui faire comprendre mes raisons. Je ne suis pas une mauvaise personne, c'est juste. C'est à cause de ce que j'ai entendu. Elle est gentille, elle mérite mieux que de vendre la bouillie. Hein? Non, non, non. Je dois aller m'excuser. Je dois le faire. Votre bouillie sucrée. Achetez votre bouillie sucrée. Achetez votre bouillie. Ma sœur, achetez votre bouillie sucrée. Oui, même ses vêtements sentent. Écoute, allons-y. Et même plus, regardez. Oh mon Dieu, tout sur elle est. Achetez votre bouillie sucrée. Tu fais pitié. Bon marché. Idioma. Au revoir. Il fait chier. Et Kenny? Ah, vu la façon dont tu cries mon nom, j'espère que tout va bien. Je suis désolé. En fait, je suis allé chez toi, mais tu n'y étais pas, alors je suis content de te trouver enfin. S'il te plaît, écoute. Je suis profondément désolé de la façon dont j'étais traité, tout ce que j'étais dit. S'il te plaît, essaie juste. Trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord, je te pardonne. Tu sais, je n'ai jamais eu quelque chose contre toi. Je te pardonne. Et Ifechi, je veux aussi te remercier de nous avoir aidés l'autre jour à payer le chauffeur. Merci. Ok, sans problème. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, au revoir. Thank you.
Achetez votre bouillie sucrée. Achetez votre bouillie sucrée. Achetez votre bouillie sucrée. Allez-vous-en de là, bande d'inutiles. Ne savez-vous pas qui pourrait être votre père? Mon oncle, regarde ce que tu te fais. Lève-toi pour qu'on puisse rentrer à la maison. Mon oncle. J'entends ce bruit, son oncle. J'enlève mon bonnet pour bien rire. Regardez-la. Comment s'appelle-t-il? Vendeuse de bouillie et son oncle Soula. C'est quoi votre problème, hein? Pourquoi vous comportez-vous ainsi? Ne savez-vous pas qui peut être votre père? Tu n'as qu'à bien tenir ton charbon. Ferme-la. Vas-y avec ton oncle Soula. S'il te plaît, il faut le soutenir. Mon oncle? Allons-y. Que se passe-t-il ici? Climatisation. Ifeti, est-ce que vous jouez de la comédie? Pourquoi? Pourquoi aimes-tu déshonorer ta famille, Ifeti? Que veux-tu qu'elle fasse? Climatisation. La climatisation? J'aime ça, Ifeti. Mets la climatisation pour ton oncle, non? Mets-lui la clim pour qu'il se rafraîchisse. Merci. Écoutez, ma chère, mais que faites-vous? Dépose ce plateau et porte-le. Porte-le. Dépose ceci et porte-le. T'entends? Est-ce que c'est difficile? Tout ce qu'il a pris, c'est la bouillie et le tapioca. Quoi d'autre? Tant que tu peux, arrête, ne me touche pas. Je veux dormir. Dors. Laisse-moi t'aider, d'accord? Dors. Ne peux-tu pas le porter? Ne peux-tu pas porter cet homme? Hey, Amarashi, viens voir. Viens voir ton ami. Je veux dormir, je veux pisser, je veux la climatisation, conduis-moi à la maison. N'importe quoi, Dieu me préserve, foutaise. C'est ce qu'il s'est passé. Alors, maintenant, tu vois, Ikira. Je suis venu ici spécialement pour te parler d'une chose très importante. Tu vois cette petite fille, Fichidire. Elle est le seul enfant de mon défunt frère. S'il te plaît, je veux que tu la traites bien, comme mon propre enfant. Je veux dire, c'est la promesse que j'avais faite à mon défunt frère au chevet de son lit de malade, que je prendrai soin de sa fille comme mon propre enfant. C'est ce que je veux faire. S'il te plaît, ne la maltraite pas. T'ai-je dit que j'avais un problème avec ça? Je n'ai aucun problème avec elle. Cette fille se comporte comme un animal. Tant qu'elle sera dans cette maison, elle doit apprendre à se comporter comme un être humain normal. Eh bien, Ikiria, amène-la se comporter comme un être humain. S'il te plaît. Amène-la se comporter comme un être humain au lieu d'un animal, comme tu l'as dit. Elle n'est pas un animal. Écoute, les enfants n'apprennent pas par la bastonnade, la gronderie ou les intimidations. Non. Ils apprennent par l'exemple. Montre-lui des exemples. Et elle apprendra. Je t'en prie, traite-la bien. D'accord, s'il te plaît, s'il y a à manger, c'est moi. Tanti, s'il te plaît, ne me frappe pas. Reviens ici. Tanti, ne me frappe pas. Je dis, reviens tanti, ici. S'il te plaît, Tanti, s'il te plaît. Viens, reviens ici. Pardon, Tanti. Je dis tanti, ici. Tanti, s'il te plaît, ne me frappe pas. S'il te plaît, Tanti. S'il te plaît. Ah! Ah!
viens là, ici. Tantine, s'il te plaît. S'il te plaît, tantine, viens là. Ne pas, s'il te plaît. Tantine. Si je t'arrête, arrête-toi. S'il te plaît, tu tantine. S'il te plaît. Je vais t'attraper. Tantine. Tu vas me... S'il te plaît, tantine. Oh. Je dis reviens. S'il te plaît, tantine. Chaque fois que tu es dans cet état, s'il te plaît, dis-le-moi. Fais-le-moi savoir à temps pour que je vienne t'aider. Hein? Je suis fatigué de ce que tu endures. Il faut le dire à madame ou à monsieur de te donner des médicaments pour que tu ailles mieux, merci d'accord? Merci beaucoup. Je m'inquiète pour toi. Merci. Je pense que ce sont des maux de tête qui te dérangent, oui, n'est-ce pas? J'ai aussi de la fièvre. Hé, je suis désolé. Plus tard, tu diras à ton oncle de t'amener à l'hôpital. Donc, si ton oncle rentre, dis-lui de t'amener à l'hôpital. Tu ne devrais pas travailler. Tu laves les habits, laves les assiettes et laves tout. Ce n'est pas juste du tout. Une personne qui fait tout chaque jour. Quoi? Madame. Qu'est-ce que vous tramez ici? Je Comment oses-tu te permettre? Je suis juste en train de l'aider à essuyer. Elle ne se sent pas bien. Tu l'assistes? Oui, madame. Donc, c'est ta petite amie, hein? Non, madame, elle est... Donc, c'est ce que vous faites derrière mon dos? Madame, je suis désolée, je l'aide juste. Elle m'a demandé de l'aider. Tu as osé toucher cette serpillère et sans ma permission? Je suis désolée, je ne l'avais jamais fait avant. La prochaine fois que tu toucheras cette serpillère ou même nettoyer le sol, pour elle, tu perdras ton emploi. D'accord, madame, je ne le ferai plus. Allez, dehors! Disparais, idiot! Et toi? Regardez-la. Allez, continue donc. Rapidement! Ne reste pas là, tourne-toi, regarde, mets-toi là-bas. Dépêche-toi là-bas et tu viens continuer avec la vaisselle. Ikeria, qu'est-ce que c'est que ça? Quel péché cette fille a-t-elle commis contre toi à tel point que tu la détestes avec tant de passion? Que t'a-t-elle fait? Tu la traites mal. Onyemeshi, quel péché ai-je commis contre toi qui fait que tu me détestes autant et que tu me négliges autant dans cette maison? Oh, vraiment? C'est pour ça que tu me causes du tort? D'accord, cause-moi du tort. Mais je vais te dire quelque chose. La méchanceté n'accroît pas la grandeur d'aucun homme ni femme. Cela ne peut que réduire ta grandeur et tes chances d'être plus élevé que tu ne l'es. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? L'autre jour, tu as brûlé ses vêtements, les vêtements que tu lui as offerts. Comme tu es méchante et... Aujourd'hui encore, tu ne la laisses pas toujours tranquille. Tu as ordonné au gardien de ne pas l'aider à puiser de l'eau. Pourtant, tu sais qu'elle est malade. Au lieu de prendre soin d'elle, en la chérissant, en lui donnant des médicaments, tu la forces à des tâches domestiques. Oh, Ikeria, la méchanceté ne paye pas. Quoi que tu sèmes, tu le récolteras. N'importe quoi. Continue. Grande sœur, vu la tournure que prennent les choses, je pense que nous devons faire quelque chose. Comme quoi? Vends les biens de ton mari. Vendre, c'est bien? Si demain ton mari n'est plus, ne penses-tu pas qu'il léguera ses biens à cette fille?
Et tu ne lui as pas donné d'enfant. Et il ne te restera plus rien. Ceci est le conseil que je peux te donner. Est-ce une bonne idée? C'est le meilleur conseil que je peux te donner en tant que sœur. Vends la maison, les biens, et après, tu déménages. Grande sœur, je te présente Peace. C'est un agent immobilier. Elle t'aidera à vendre tout ce que tu veux vendre. Enchantée. Bon après-midi, oui, madame. Bonsoir. Je m'appelle Peace et je fais dans l'immobilier. J'espère que les documents sont prêts. J'aimerais y jeter un coup d'œil avant tout paiement. Ah, waouh. Dans ce cas, je vais vous appeler pour apporter les documents. J'ose croire que ces documents sont prêts. D'accord. D'accord. Comme elle l'a dit, elle t'appellera, ok? D'accord. Vous prenez quelque chose? Une Malta. Serveuse. Oui, madame. Bienvenue, madame. Merci à vous. Qu'est-ce que je vous sers? Une Malta. D'accord. Pour moi, une bière glacée. Ok. Et vous, madame? De l'eau plate. Te voilà. Ikira. Je t'attendais dans ma chambre et te voilà en train de t'habiller. Où vas-tu? Je suis en train de te parler là, Ikira. Excuse-moi. Tu t'attends à ce que je réponde à cette question? Où est là ton problème? Écoute très bien. Je pensais que tu avais ta précieuse ménagère. Pourquoi ne le lui demandes-tu pas? Bon, écoute que je te dise. Je te donne juste une semaine pour faire sortir cette idiote de cette maison. Sinon, on saura qui appartient à cette maison. Vas-tu la fermer? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que faire des menaces tout le temps. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Pourquoi la détester avec tant de passion? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ok. On verra bien. Si quelque chose arrive à cette fille, tu auras affaire à moi. Hé, laisse-moi te dire quelque chose. Très bientôt, tu sauras que la danse à laquelle tu danses est pour les esprits. Et ça s'appelle Surungene. On verra. S'il te plaît, bienvenue. Hein? Merci. Donc, voici les documents. Ok. Tout ce que vous voulez est là. Tout ce que vous voulez. Les voilà. Donc, vous pouvez voir, évidemment, tout y est. Tout y est. Ok, voulez-vous du cash ou du transfert? Non, ça ne peut pas être en cash, non? D'accord. Il faut juste transférer. Allô, monsieur? Oui, monsieur, tout est ok, monsieur. Monsieur, je vous enverrai son numéro de compte pour le transfert. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Alors, donnez-moi votre numéro de compte pour que je lui envoie. C'est d'accord. C'est quelle banque? Access. La banque Access. Ok. Votre numéro de compte? 14 16 20 D'accord, madame, je lui ai envoyé. C'est d'accord. Il fera le transfert. D'accord. Serveuse? Viens là. Apporte-nous deux bouteilles de Malta.
monsieur. Oh, d'accord, monsieur. Compris, monsieur. Ah, je vais appeler mon gestionnaire. D'accord. Il viendra. D'accord. Oui. Ravie de faire affaire avec vous. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est la coursière. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un courrier pour la propriété de la maison. Un courrier? Oui. D'accord, aucun problème. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah, jolie demoiselle, que faites-vous ici? J'ai un courrier pour la propriété de la maison. Quel courrier? Vous devez d'abord signer là. Je dois signer là? Oui. Vous êtes sûr que ce ne sont pas des ennuis que vous apportez dans cette maison? Ici. Merci. D'accord. Rassurez-vous de le lui remettre. Ok, je dois le donner à mon patron. Ok. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Titus. Monsieur, quelqu'un vous a laissé ceci, juste à l'instant. Mmh. Où est cette personne? Elle vient juste de partir. D'accord. Retourne à ton poste. Mon oncle, j'ai trouvé ça dans ta chambre. Qu'est-ce que c'est? Oncle, tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est donc de ça qu'il s'agit. Ma femme a vendu ma maison. Oh, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Qu'est-ce que c'est? J'aurais dû deviner. Pourquoi tante nous a-t-elle fait ça? Mon oncle, je voudrais que tu arrêtes de réfléchir, s'il te plaît. Je voudrais que tu ailles bien pour moi. S'il
te plaît, tout rentrera dans l'ordre. Le Dieu qui t'a donné toutes ces choses et ces voitures t'en donnera encore plus. S'il te plaît, rentrons. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Pourquoi est-elle si cruelle? Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît. André, s'il te plaît, ça va aller. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Tu iras bien, d'accord? Allons-y. Ifechi. Titus? Oui, Ifechi, viens. Une minute, je vais te demander quelque chose. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien, je vais te demander quelque chose, ok? J'espère que monsieur se porte bien. Titus, il y a un gros problème. Un gros problème? De quoi s'agit-il? Tu vois cette maison? Cette maison a été vendue. Ce n'est pas vrai. Laquelle Oga est dans cet état? Tu es sérieuse? Te souviens-tu du courrier que tu as remis à Oga hier? Oui, je m'en souviens. C'était les documents de la vente, donc c'est de ça qu'il s'agit. Hey! Ah! Mon salaire, oh! Monsieur m'a promis d'augmenter Titus, mon salaire. Qu'es-tu en train de dire? Rien, je comptais juste sur... Aïe! Laisse tomber tout cela, ça ira, t'inquiète pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, non? Donc, c'est juste quand mon patron veut augmenter mon salaire que tout ceci arrive. Mon oncle, le dîner est prêt. Laisse-la sur la table. Je ne veux pas manger maintenant. Mon oncle, tu devrais manger quelque chose. Il commence à se faire tard. L'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est d'accord. Je vais te rejoindre. Titus? Ifechi. Pourquoi portes-tu ton sac? J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Je voulais juste dire au revoir à monsieur. Dis-lui que j'ai été ravi de travailler ici. Je retourne dans mon village. Voici les clés. Titus! Titus! Fais ce que je t'ai dit. Oui, tonton. Alors, va m'appeler Titus. Ah. Dis-lui que je veux le voir tout de suite. Tonton, Titus a voyagé hier pour son village. Que veux-tu dire par il a voyagé? Comment peux-tu dire qu'il n'est plus ici? Je pensais que tu étais au courant. Comment se fait-il que personne ne m'en ait en parlé?
Tu dormais, je ne voulais pas te déranger et je pensais que tu le savais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu te réveiller. C'est très grave, fille. C'est très grave. Fais, je dirais. Tonton? Assieds-toi. Il fait, je dirais. Mon oncle. Il ne reste plus que toi et moi ici. Je veux juste te dire que j'ai finalement vendu la voiture. C'était ma dernière option. J'ai dû le faire pour réunir de l'argent afin de rembourser toutes les dettes que j'ai. Je ne peux pas avoir une voiture et pourtant je dois tant de gens. Je me sens mieux ainsi. Au moins je suis libéré de mes dettes. C'est mieux. C'est juste toi et moi, on peut se débrouiller. Je pense que ce que tu fais est juste. Alors, dis-moi, qu'allons-nous faire maintenant dans cette situation? Parce qu'en tant qu'homme, ne peut pas être en vie et laisser un homme né d'une femme m'intimider, moi, pour une maison que j'ai construite à la sueur de mon front et de toutes mes économies. Ce n'est pas possible. Que devrons-nous faire? Tonton, je pense qu'à ce stade où nous sommes, nous devons retourner au village. Au moins, nous pourrons venir en ville quand tout ira mieux. Le village? Si je suis dans cette condition, c'est à cause de cette femme. La femme de mon oncle, elle a fait tout ce qui est humainement possible pour retourner mon oncle contre moi. Ah! Mais qu'est-ce qu'il a retient, hein? Regarde l'heure. Pourquoi me fait-elle attendre? Ah! Grande sœur, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui t'a retardée? Désolée, grande sœur. Tu m'as fait attendre. Je suis pas du tout contente. Je suis désolée. Bienvenue. Merci. Alors, quel est le problème? Sandra. Oui, grande sœur. Il y a du feu dans ma maison. Le feu? Est-ce que tu sais que mon mari
ne me prête plus attention en tant que sa femme. Il donne toute son attention à sa soi-disant nièce. Il supporte tout ce que cette fille fait dans cette maison. Il s'en fout maintenant de moi, je t'assure. C'est tout comme problème? Oh, désolée. Ne t'inquiète pas, j'ai toutes les réponses à tes problèmes. Serveuse? Oui, madame. Viens, s'il te plaît. Bienvenue, madame. Que puis-je vous servir? Oui. As-tu du life? Oui, madame. Apporte-moi une. Oui, madame. Bien glacée. Oui. Apporte-moi une bouteille. Je reviens. S'il te plaît, relax. Ne te dérange pas, grande sœur. Relax. J'ai une solution. Ok? Calme-toi. Relax. Je peux les ouvrir pour non, vous? Non, si c'est le cas, je t'appellerai. D'accord. Grande sœur, relax. Cette maison est la tienne. Et cette fille n'est personne d'autre. Donc, tu dois la traiter comme personne. Pourquoi est-ce que tu dois te déranger? Cette fille n'est personne d'autre dans cette maison. Tu dois maltraiter cette fille. Tu dois la traiter, tu dois la montrer qu'elle n'est personne. Maltraite-la, traite-la comme une esclave qu'elle est. Que cette maison soit inconfortable pour elle. La personne dont on parle ici est ton mari et non la sienne. Tu devrais t'occuper d'elle et arrêter de te comporter comme un bébé. Mais allez! Ah! Oh! Qui est là? Qui est-ce? Je ne sais pas. Je suis venue à ta boutique. Il n'y avait personne. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai vu que ta fille. Hein? Pourquoi pleures-tu? Hein? Ici. Ok, d'accord. Un instant, je te reviens. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fait chier. Tata. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Je suis allée au marché. Les bandits m'ont agressée et se sont enfuis avec l'argent que tu m'as donné. Je n'ai pas compris. Hein? Tu veux dire que les 50 000 se sont envolés comme ça? Oui. Tantine. Tu vas me remettre ces 50 000. Tantine. Tu vas me ramener cet argent. Viens là, je vais te corriger. Il fait sidérer. Tantine. Viens là. Tantine. Pourquoi cet endroit si sale et en désordre? C'est Tantine, à toi que je parle. Je suis vraiment désolée. Je me suis réveillée très tard. Je n'ai pas pu me lever très tôt pour balayer la cour. Allez, va à l'intérieur prendre de quoi nettoyer cet endroit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? Oh,
Il fait chaud. Pourquoi as-tu tardé au marché? Bien que je t'ai donné l'argent de transport. Ou les bandits ont encore arraché l'argent? Non, tontine. Les prix des marchandises sont élevés au marché. Alors j'essayais de les avoir à bon prix. Allez, va me faire ma cuisine. Ma voiture n'est pas lavée et cet idiot est là à dormir. Pourtant, j'ai réunion. Ma voiture est sale et tu dors. Viens par là. Je pense que tu t'amuses avec moi. Pour ton information, j'ai réunion dans moins de 10 minutes. Et avant ça, tu dois avoir fini. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, tontine. Anoufia. Ifechi Dere, s'il te plaît. Où es-tu? Mon oncle. Va m'apporter les pommes qui sont sur la table. D'accord. Alors, que fais-tu? Tonton, je faisais la lessive et d'autres tâches ménagères. Depuis le matin, tu es toujours en train de travailler. Tu ne te reposes pas. Tu n'as pas pris une douche. Regarde comment tu es, tu n'as pas l'air bien. Tu es si négligé, je suis sûr que tu n'as pas pris ton bain. Prends un bain et parfume-toi, tu ne peux pas travailler toute la journée. Je dirai à ma femme d'arrêter ça. D'accord? Va te rafraîchir, mets-toi du parfum et change-toi. Tu ne peux pas travailler d'accord, toute la journée. D'accord, tonton. Tu ne peux pas travailler toute la journée comme ça. Viens. Viens prendre une de ces pommes. Prends-en une. Je suis sûr que tu n'as pas mangé. Va manger et prends une douche. Merci, mange. Tonton. Je t'en prie. Qu'est-ce que c'est? Il fait chier. Va dans la chambre
apporte-moi ces vêtements que je t'ai achetés. Et dans la cuisine, tu prends du pétrole et les allumettes. Tantine! Vas-y et fais ce que je t'ai demandé. Apporte-moi ces vêtements. Dépêche-toi! Je vais voir comment tu vas encore t'habiller dans cette maison. Mais Dieu merci, je me suis d'en sortie. C'est bon. C'est bon, je ne savais pas que c'est ce que... que c'est ce que tu as vécu. D'accord? Je suis désolé. Une fois de plus, je suis sincèrement désolé. Hein? Et je veux que tu me considères comme un frère. Considère-moi comme un ami, un frère, peu importe. Je ferai tout ce que je peux pour être avec toi, d'accord? Chiné. Hey! On ne peut pas profiter de son argent. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? L'Américain. L'Américain est présent. Dites l'Américain. À quoi là, l'Américain quoi, est présent. Tchou. Le vieux soldat reste. Il est présent. Un soldat. Le papa des papas. Le père des enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Votre table est... Les gars, calmez-vous. Disons tchou à papa. Tchou! Papa! Tchou! 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 Dites tchou! Tchou! Dites tchou! Tchou! Dites l'Américain. L'Américain est là. Dites l'Américain. L'Américain est là. Dites bienvenue à papa. Bienvenue à toi, papa. Ce que vous venez de dire. Le meilleur buveur de tous les temps. Je ferai deux tournées. Hey! Le papa des papas! Papa, nous t'écoutons! Calmez-vous! Tout le monde dit tchou! 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 Pour le papa des papas! Apportez une chaise pour le papa! Assieds-toi! Dépêche-toi! Passe-moi le feu! Passe-moi le feu! Assieds-toi, le capitaine français veut parler! D'accord! Mia! Mais non, donne-lui cette chaise! Votre table est vide! Le grand capitaine de ce royaume! À ta santé! Tu ne peux pas être là. Et votre table est vide. Exactement! Le papa des papas! Le papa des papas! Cette serveuse, viens ici, dépêche-toi! Le capitaine est là. Apporte-moi une Heineken. Qu'est-ce qui te retient? Et qu'est-ce que je vous sers donc? Taisez-vous. Une Heineken. Chut. Tout ce qu'il y a. J'ai reviens ici! Reviens ici! Allez, dépêche-toi, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que t'as? Apporte-nous à boire! Es-tu folle? N'importe quoi! Apporte-nous à boire! Que voulez-vous? Calmez-vous, permettez-lui de parler à cette fille. La dernière fois que je t'ai venu ici, j'étais fauché. Là, je peux payer et payer. Je peux te payer. Serre-les! Olé! Olé, le papa des papas! Ai-je le papa des papas? Rassure-toi de payer tout mon argent! L'argent, il va payer! Dépêche-toi, apporte-nous à boire! Que le tonnerre te frappe! Que Dieu te punisse! Cette fille n'est pas normale. Le vieux soldat. Ah. J'apporte encore. Apporte. Ok. Elle a un bon derrière. Hey! Tout le monde dit tchou. Tchou. Tout le monde dit tchou. Mais où sont ces bières? Que fais-tu? Quel argent? Je n'ai pas bu depuis 3 jours. Si je ne bois pas aujourd'hui, le tonnerre va te frapper. Idiote. Mets le volume, Didi, mets le volume. Dites, il y a de l'argent. La semaine dernière, j'étais fauché. Cette semaine, j'ai l'argent payé. Tchou le papa, tchou le papa. Tchou. 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 L'Américain est là. Dites l'Américain. L'Américain est là. À ta santé, papa.
Le bouillon. Du bouillon. On va passer le bouillon. Tu n'es pas intelligent. Tu es là. Méfie-toi. What is it? Apporte, apporte. Apporte du bouillon. Bouillon. Et allez, dépêchez-vous. Oh. Es-tu folle? Le vieux soldat danse. Dépêche-toi, ramène-le. Hein? Dépêche-toi, idiote. C'est tu sais, depuis trois jours, je n'ai pas pris d'alcool. Et quelqu'un veut me l'offrir, tu veux les pas. Les papas, les papas. Il y a juste deux bouteilles dans ta cave. Quel argent, je vais payer. Mais où sont ces bières? Dépêche-toi, idiote. Ma tension est élevée. Mais c'est quoi si j'ai déjà faim. Mal. Amara, l'alcoolisme de mon oncle commence à être agaçant. Ça devient terrible. Je pense que tu devrais arrêter de lui donner de l'argent. Arrête de lui donner de l'argent. Je ne pense pas que les gens lui donnent. Qu'est-ce qui te fait croire que je lui donne de l'argent pour qu'il aille boire? La dernière fois que j'ai égaré mon argent, il avait pris. C'était la seule fois que cela arrivait. Ah. Si tu ne lui donnes pas de l'argent, alors quelqu'un d'autre le fait. Et tu sais, les soldats trouvent toujours un moyen pour avoir à boire. Attends, attends, une minute. Qui est cette personne? Qui verrait mon oncle dans cette condition? Et lui vendrait attends. Encore à boire. Alors tu n'es pas au courant de cette Moyaba? Moyaba? Je veux voir cette Moyaba. Cette femme a pris les hommes et tous les jeunes de ce village et en a Amarachi, fait des soldats. Je veux voir cette méchante Moyaba qui n'a pas de conscience. Qui verrait un homme dans cet état et continuerait à lui vendre de la tôle? Ne t'en fais pas, mon ami. Ne t'en fais pas. Je te montrerai l'endroit, mais pas aujourd'hui. Oh. Ah, ne t'en fais pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais, c'est la seule personne que j'ai. S'il te plaît, je ne voudrais pas que quelque chose arrive à mon nom. Non. Tu sais que tu es mon ami. Je vais te montrer l'endroit. Ça va aller. Tu sais que c'est la seule personne qui me reste, non? Je comprends. Ne t'inquiète pas, d'accord? Et cette femme au nom de Moyaba, hein? Si je la trouve, elle aura affaire à moi. Olga, s'il te plaît, debout, debout, Pico. Laisse-moi. N'as-tu pas de respect? N'as-tu pas de respect? Olga, debout. Tu es là depuis 8 heures. Hein? Regarde l'heure, bientôt 15 heures. Pardon, debout, je vais fermer. Tu n'as pas de respect. Quelqu'un qui a dépensé tant d'argent sur ses bouteilles, tu lui demandes de partir. Quel argent as-tu dépensé? Olga, je dis de te lever. C'est quoi ça encore? Lève-toi, Biko. Il faut partir à l'épargne. Mais je vais m'en aller. Hein? Il n'y a plus rien à boire dans cette bouteille. Il faut partir. Allez, allez. Hey! Ne vomis pas ici. Pardon, il faut partir. Je ne pars pas parce que tu l'as dit. Ne casse pas ma bouteille. Je vais partir. Donne-moi ma bouteille. Apporte un casier. Il faut partir. Suis ton chemin. Allez. Il faut partir. Allez. Pars. Je ne pars pas parce que... Oh gars, il faut partir. Parce que tu l'as dit. Hey. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Qui est là? Là. Hey, Ekene. Il fait chier. Tu es arrivé? Oui. Ah, bonne arrivée. Prends non, place. Non, non, pas la peine, pas la peine. Okay. Je dois aller quelque part. Comment va ton oncle? Très bien, très bien. Il est à l'intérieur. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Écoute, j'ai apporté quelque chose pour toi.
Pour moi? Je t'ai dit que j'allais devenir ton frère, n'est-ce pas? Ah, merci, merci beaucoup. J'apprécie vraiment, merci beaucoup. C'est bon, d'accord? Je vais aussitôt partir maintenant. Aussitôt tu veux partir? Je voulais juste te l'apporter. Tu ne veux pas prendre quelque chose? Non, 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 c'est bon. Merci, je t'en prie. Hein? Merci beaucoup, bye bye. Vraiment. Tu me salues ta maman. D'accord. Hein? Ok, bye bye. Amarachi! 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 Oh Dieu! Amarachi, s'il te plaît, viens! Je n'ai pas vu mon oncle depuis hier soir. S'il te plaît, je l'ai cherché partout. Qu'as-tu cherché au champ? Je l'ai cherché partout, mais je ne suis pas partie au champ, mais je suis sûre qu'il n'y est pas. Amarachi, s'il te plaît, je dois le retrouver. Cette situation avec ton oncle devient autre chose. Avant qu'il ne te tue, pourquoi tu ne le laisses pas tomber? Amarachi, s'il te plaît. D'autres fous sont et leur famille le savent. Mon oncle a été si gentil avec moi, s'il te plaît, je ne peux pas le laisser maintenant. Okay, il a besoin bon. De c'est moi. Bon. Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est aide-moi bon. À le chercher, s'il j'irai, te plaît. Ne t'inquiète pas, allons-y. Ne t'inquiète pas, allons-y. Merci. Tu t'envisages mon quoi ami, de neuf? Comment vas-tu? Tu es si ravissante. En passant, comment va Ifeti? Elle va bien, elle va bien. Où vas-tu avec cette assiette de nourriture? Hey! Tu sais bien, ma mère a cuisiné un délicieux repas. Oh! Je suis oh, censée le donner à ma tante. Ah! Oh! Ta mère, hein? Elle sait bien faire la cuisine. C'est une bonne cuisinière. Laisse-moi voir. Ce ne sont pas des habits là. Ah, Amarachi. Alors maintenant, tu vas faire du shopping pour moi. Mais non. C'est mon frère Uche, celui qui est venu de la ville. Je suis allée lui chercher des habits, tu sais, pour qu'ils soient présentables. Mais ça semble être des habits pour femmes. Non, 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 ma sœur. C'est pour mon frère Uche. Oui. En passant, est-ce que cette route mène chez toi? Ah! Mais oui, on y va tout droit. Et on prend à gauche ton côté. Et puis on va tout droit. Je m'en souviens maintenant. Tu t'en souviens. La maison de ton nom. Cette petite route. Ah, oui. Je m'en souviens maintenant. Je vais y aller. Ok, maintenant. Moi aussi je vais. Oh, y a pas soin de toi. À plus tard. Ok, d'accord. Ok, je vais y aller. Ami, beke. Ok. Adacharacha. Ayala. Cette fille, je suis sûre qu'elle va voir Ekene. Je ne lui fais pas confiance du tout. Je le saurai bientôt. Baliou, l'amour de ma vie. Mon seul et unique amour. Oh, bim! L'amour de ma vie. L'amour d'idioma. Tac, tac, tac. Ekene est mort. Qui est-ce encore? Ah, c'est l'amour de ta vie. Ton amour. L'amour de ta vie. Oh, bim. Bon après-midi. Oh! Je te l'ai dit. Je savais que tu serais très, très affamée et épuisée. Regarde tes yeux. Tu es tellement pâle. Désolée. Oh! Mais non, voyons. Tu es même venue me voir dans mes rêves pour me dire « Idioma, mon amour, je suis affamée. S'il te plaît, est-ce que tu peux préparer cette délicieuse sauce pour moi ?» J'ai sauté dans la cuisine. J'ai lavé ma main avec du savon et du javel. Et j'ai préparé cette sauce avec l'ingrédient le plus cher. Je l'ai préparée avec tout mon cœur, mon amour. Et tu ne peux pas rejeter cette nourriture. S'il te plaît. Oh, bim. Je ne peux pas manger. Tu peux partir avec ta nourriture. Je n'en veux pas. Que dis-tu? Hey!
Mon amour, s'il te plaît. Ne brise pas mon cœur et bois un amour bio. Écoute, je peux te nourrir. Je vais le faire de mes propres mains. Si c'est difficile pour toi de manger, s'il te plaît, ne dis pas non. Donc, maintenant, tu n'entends plus. J'ai dit, je ne veux pas manger. Tu peux partir avec ta nourriture. Même si c'est juste une cuillère. S'il te plaît, fais-le pour moi et je serai très heureuse. Tu vois ton comportement. C'est à cause de ce comportement que je n'accepterai jamais. Oh, Bim, s'il te plaît. Juste une cuillère, hein, Bikono? C'est parce que vous avez vu mon étoile dans ce village que je brillerai partout. C'est pourquoi vous êtes toujours après mon étoile. Tu penses que je ne sais oh, pas. Bim, s'il te plaît. Va-t'en. S'il te plaît, pas encore. Ce n'est pas tous les jours que je vais te bousculer. Réfléchis un peu et va-t'en. Juste une cuillère, s'il te plaît, hein, Biko. Mais va-t'en d'ici. C'est quoi ton problème? Je ne vais nulle part. Oui, je ne peux pas prendre tant de temps pour préparer cette nourriture et tu me demandes de partir. S'il te plaît, goûte-la juste un peu. Tu veux que je te nourrisse? Tu n'as qu'à dire oui. Ekene, s'il te plaît. Hein? Goûte juste un peu, s'il te plaît. D'accord, je vais. C'est la nourriture. Oui. Hey! Hey! Est-ce que je rêve? Mon Dieu! Hey! Mon paléthique! Ah! Ah, je suis très heureuse. Hey! Tiens. Hein? Hey! Merci. Oh, Bim. J'espère que tu as apprécié le repas. Ce sont mes chèvres. Mes chèvres ont apprécié ta nourriture. Elles ont aimé. Je leur ai donné la nourriture. Elles étaient heureuses. Elles m'ont même remercié. Elles m'ont demandé d'apporter souvent ce genre de nourriture. Hey! Qu'est-ce que tu dis? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Tu es cruel, Ekene. Va-t'en. Allez, va-t'en. Tu es cruel. Oh. Vas-y, je ne vais pas te bousculer aujourd'hui. Je ne te bouscule pas. Si tu es fatigué, alors tu t'en vas. Ekene. Je l'ai vu en route se débrouillant. À rentrer, alors je l'ai aidé. Merci, hein. Oh, merci. Merci, d'accord, hein. D'accord, au revoir. Beaucoup. Combien sont de lui? S'il te plaît, allons-y, hein. Allons-y, tu es à la maison maintenant. Mon oncle, allons-y. Mon biscuit. Je vais t'acheter des biscuits. J'ai acheté tout un paquet, rien que pour toi. Je vais m'occuper de toi, hein. Allons-y. J'ai préparé un plat délicieux pour toi, hein? D'accord. Je vais de ce côté. Je voulais te demander comment va ton père. Je rends grâce à Dieu, il va beaucoup mieux. Peux-tu imaginer que c'est lui qui a fait mes crêpes ce matin? Es-tu sérieuse? Alors il va de mieux en mieux, comme tu as dit, c'est ça? Eh bien, je pense que c'est le fait de trop penser qui dérange ton oncle. Je pense aussi. Mon oncle est une personne très gentille. Peux-tu imaginer que ma tante a essayé de le changer plusieurs fois, mais ça n'a pas... Il est resté le même. Bonsoir, mes chers clients. Apporte-moi soyez de la cigarette. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je vous sers? Avez-vous Est-ce que je peux avoir la Guinness? Ça ne manque pas. Oui, bien sûr. Oui, nous l'avons, Liro. Mais ce n'est plus 200. C'est 300.
Ce n'est plus à ce point. Pourquoi tu augmentes le prix? Vous êtes mes bons clients. Pourquoi tu augmentes le prix? Quel est ton problème? Allez, ferme ta gueule. Qui sert ici? Mec, qui est là? Soldat. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok. Prends place qu'on te serve quelque chose. Serveuse, viens servir cette table. Nous allons payer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as plus besoin d'argent? Je vais te payer. Nous sommes ici pour payer à boire. Sers-nous, dépêche-toi. Frère, ne vous fâchez pas. C'est comme ça qu'elles se comportent. Elles n'ont aucun respect. Mais qui est là? Na, dis-moi, qu'est-ce qu'on te sert? Dis-moi. Cher client, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. N'importe quel produit. Voici vos bières. Je reviens avec le bouillon. Naï. Orguini, que fais-tu ici? Que fais-tu dans le bar de ma mère? Je suis venu juste pour m'asseoir. Chinaza, viens voir ce qu'ils ont ici. Que fais-tu là? Ta fille est venue l'autre jour nous insulter. Allez, lève-toi de là. Allez, lève-toi. Je suis venu pour manger. N'as-tu pas une maison? Allez, debout. Allez, êtes-vous stupide? Mais laissez-le. Je vais. Allez, laissez-le. Regarde, assieds-toi. Êtes-vous folle? Quel est ton problème? Qui est-il avec toi? Regarde ça. Tu vois ce que je t'avais dit? N'avez-vous pas du respect? Regarde bien. N'a-t-il pas le droit de dépenser son argent et de profiter de la vie? C'est le bar de ta mère? Chinekeme. Je te le demande. Mon argent. De quel argent tu parles? Qu'est-ce qu'il faut moi? Allez, va-t'en d'ici. Je veux juste un peu de repos. Que ce soleil te brûle même. Es-tu malade? Regarde qui parle. Tu réfléchis même? Va avec tes réflexions, non d'ici. J'attends qu'on voit ça. Qu'il vienne s'asseoir. Mon argent. Et qu'il essaye. Mon propre argent. Vous m'insultez. Je suis venu dépenser mon argent. Allez, assieds-toi, je voudrais. Êtes-vous... Viens t'asseoir. Assieds-toi donc. Allez, assieds-toi. Vous savez quoi? Je vais vous... Êtes-vous malade? Je vais percer vos pieds. Tu ne peux rien faire. Orga, ne t'assois pas. Ne t'assois pas là-haut. Fermez vos gueules. Lève-toi de là. Essaye encore. Qu'il s'en aille. Nous ne voulons pas de lui. Essaye encore. Laisse-le. Allons-y. La prochaine fois, tu n'auras pas de chance. Tu as de la chance. Regardez-les. Et où? Dépêchez-vous à venir nous servir. Vous n'allez pas vous marier. Allez, venez nous servir. C'est à cause de ça que vous n'allez pas vous marier. Non, elles espèrent Restez que je vienne. Restez là avant que vous espérez que je vienne. Je vais très bientôt. Je viendrai vous épouser. Ne vous inquiétez pas, je vous épargnerai la ménopause. Je ne suis pas prêt pour me marier maintenant. Bon appétit. Mais où est cette bière? Quelle bière? Apporte à boire à ce monsieur. Attendez sur place, vous allez boire. Apporte à boire, idiote. Est-ce que c'est ton argent qu'on dépense? Et tu bois et tu t'en vas d'ici. Je ne comprends pas ces filles. N'importe quoi, je payerai au moins 5 bouteilles. Que croyez-vous? Regardez-les, c'est à cause de ces attitudes que vous n'êtes pas mariés. Vous n'allez jamais vous marier. Ne t'inquiète pas, elles m'attendent. Oga. Personne n'entrera dans cette maison aujourd'hui. J'ai fermé toutes les ouvertures. Ils doivent remettre mon biscuit. Je le dis depuis, personne ne veut apporter mon biscuit. S'ils n'apportent pas mon biscuit, je vais les enterrer s'ils n'apportent pas mon biscuit. Ils doivent apporter mon biscuit. Apporter mon biscuit. Je vais tuer quelqu'un. J'ai fermé partout. Personne n'entrera ici pour prendre mon biscuit. Mon biscuit. Mon biscuit. Hey! Qu'est-ce que c'est? Mon oncle, n'avancez pas. N'avancez pas. Mon oncle, qu'est-ce que c'est? Apportez mon biscuit. N'entrez pas ici. N'entrez pas ici. Apportez mon biscuit. Je l'ai dit. Et personne ne veut l'entendre. Mon biscuit. Ton oncle ne va pas bien. Il ne va pas bien. Arrêtez. Je vais dans un état normal. Personne n'entend. Il ne va pas bien. Ça va aller. Juste, calme-toi, je vais t'acheter des biscuits. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton oncle? Calme-toi, je vais t'acheter des biscuits. Personne n'entend ici. Mon oncle, c'est moi, Fichy. S'il te plaît, calme-toi. Je vais vous tuer. N'entrez pas ici, je vais vous tuer. N'entrez pas. Mais qu'est-ce que mon biscuit? Tonton, c'est moi, Fichy. Calme-toi, c'est un marachi. Je vous ai dit de me donner mon biscuit. N'entrez pas. Je vous ai dit d'apporter mon biscuit. Je veux mon biscuit. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais tuer pour ce biscuit. Personne ne veut me donner mon biscuit. Je vais enterrer quelqu'un. Calme-toi, je vais t'acheter un paquet de biscuits, mon oncle. Calme-toi, s'il te plaît. Tu calmes, s'il te plaît. Je vais remettre mon biscuit. Mon oncle, personne ne veut me donner mon biscuit. Je vais enterrer quelqu'un. Je vais enterrer quelqu'un pour ce biscuit.
Je sais que tu as aimé. Oui. J'aime. Promets-moi, mon oncle. Comme quoi? Je veux que tu arrêtes de boire. Promets-moi juste que tu ne boiras plus. Tant que tu continueras à danser pour moi, je ne boirai pas. Vraiment? Oh, waouh! Je te promets de toujours chanter et de danser pour toi. Je vais vous tuer. Je suis un soldat. Je suis un soldat. Thank you.
Salim! Mon petit cœur! Oh! Dieu merci, je te trouve ici. Est-ce que tu sais que je suis allée chez toi te chercher? Et j'ai cru que ces filles ont éloigné mon petit cœur de moi. Merci à Dieu, tu es là. Oh, Bim! Tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue ici te voir. As-tu mangé? Oh, mon mignon chéri. Le seul homme qui rend Idioma heureuse dans ce village. D'accord, très bien, merci. Maintenant, écoute. Je suis venue ici prendre de l'air, fumer et réfléchir. Et non pour écouter ces bêtises. Compris? Va-t'en. Mon amour, calme-toi. N'as-tu pas Dieu pour les bonnes choses? D'accord. Hein? Ne suis-je pas assez bien pour toi? Je me demande parfois si tu es aveugle. Mon amour. Écoute, tu n'as qu'à me regarder. Hein? Qu'est-ce que tu veux chez une femme que Idioma n'a pas? Mais dis-moi, un bon popotin, hein? Idioma a tout ça. Est-ce que tu entends le bruit? Ah ah! Que veux-tu encore, dis-moi? Cette poitrine est tellement charnue. Regarde. Tu vas te régaler. Parce que je m'appelle Idioma. Et cet endroit, c'est Idioma. Route express. Une fois que tu entres, tu n'en ressors plus. Je pense qu'elle est folle. Écoute, goûte juste un peu. Entre dans mon jardin et tu ne regretteras pas. Je promets, je jure. Mon amour, ne suis-je pas assez bien? Je veux juste que tu me considères, hein? Oh, Bim. Je suis très sérieuse. Regarde dans mes yeux et tu sauras que je t'aime. Hmm? D'accord. Pour que tu saches à quel point je t'aime, j'ai souffert pour te trouver ces fleurs. Sens-les. Elles sont pleines d'amour. Laisse-moi te dire, c'est pour que tu saches à quel point Idioma t'aime et se soucie de toi. J'ai traversé cette mer et cette montagne pour te trouver ces fleurs. Écoute, hein, cette fleur en particulier vient de la rivière d'Idiaba. Cela m'a pris 14 jours de marché pour la voir. Et celle que tu vois ici, je l'ai eue au sommet de la montagne d'Okota. Ce sont des fleurs spéciales pour un cœur spécial. Elles sont pour toi, mon ami. Rentre avec tes fleurs. S'il te plaît. On dirait que tu n'as pas de sens. Ne m'éloigne pas de toi. C'est comme si tu n'as pas de sens. Ekene. Tes égaux voyagent pour Paris, Londres et la Grèce. Toi, tu pars à Idiaba pour avoir des fleurs. Qui veux-tu vendre? Sans celle-ci. Qui veux-tu initier? Retourne avec tes fleurs. Lève-toi, allez, va-t'en. Mon amour, Biko. Mon frère, bon après-midi. Idioma. Va-t'en. Votre bouillie sucrée. Achetez votre bouillie fraîche. Va-t'en avec tes fleurs. Ce n'est pas juste. Est-ce un crime d'aimer quelqu'un dans ce village? Oui, c'est un crime. J'ai été averti. Tu penses que j'ignore qui tu es? Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais, toi? Va-t'en. Allez, dégage d'ici. Je suis la seule pour toi dans ce village. Tu es mon amour et je vais t'avoir. Je vais te dénoncer. Je vais aller te dénoncer. Je vais t'avoir. Tu es à moi tout seul, Biko. Un soldat comme moi. Mon biscuit. Hein? Mon biscuit. Mon biscuit. Mon biscuit. Qui est là?
penses avoir gagné, n'est-ce pas? Je joue mieux à ce jeu. Tu penses que toi. Tu joues mieux que moi? Pourquoi pas? Parions. Allons-y. Kenny est-il là? Mon amour, est-ce que tu es là? Mon petit cœur! Oh! Ekenem! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Je suis venue voir mon Ekene. Ekene n'est pas là. Ekene est parti hors de cette maison. La personne en face de toi, c'est pas l'éthique. Alors tu peux partir chercher Ekene. Ekene, ne recommence pas. Pas encore. Tu m'as assez fait souffrir, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Est-ce que c'est parce que quand je dis quelque chose, ça entre ici et ça sort par là-bas? Exactement. Ça ressort ici. Attends, ils t'ont envoyé de venir m'avoir, c'est ça? Ils m'ont envoyé. Ils t'ont envoyé. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce par force? Est-ce un crime de t'aimer? Oui, c'est un crime. Si tu aimes une personne et qu'en retour, cette personne ne t'aime pas, ce n'est pas un crime. Ekene, s'il te plaît, un peu de considération. C'est incroyable. Dis-moi un peu, tu as un problème? T'ont-ils dit que c'est une obligation de m'emmener avec toi? Ils ont dit que c'est une obligation et tu dois le faire. Oh, c'est une obligation? Oui. Hey, Ekene, dégage d'ici. S'il te plaît, ne me pose pas comme ça. Va-t'en. Ne me pose pas. Écoute, va-t'en. Je vais te dire ce que j'ai en tête. Je vais te dire ce que j'ai en tête. Ekene, je t'aime. Ne peux-tu pas comprendre? Seigneur, je pense que cette fille devient folle. Tu n'as qu'à me donner une chance, une petite chance, s'il te plaît. Il n'y aura pas. Va-t'en. Ekene. Rentre chez toi. Je dois rentrer. Je ne te quitterai jamais dans cette vie. Je ne te quitterai jamais, au grand jamais, note-le. Que je meurs si jamais je te quitte. Je ne te quitterai jamais. Je vais tout voir et entendre sur cette terre. Alors, si tu me quittes, tu mourras. Je vais mourir. Ok, va mourir chez toi. Ne meurs pas ici, Ekene, d'accord? S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, je t'avertis pour la dernière fois. Je t'avertis pour la dernière fois. Ekene, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Si tu me perds, Ekene, je t'avertis. Si jamais tu me perds, tu le regretteras. Peux-tu imaginer? Idioma que je suis. Une belle fille comme moi, que tous les garçons de ce village s'arrachent. Et tu rejettes? Tu vas le regretter, crois-moi. Maintenant, c'est moi qui te supplie, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Quand je vais te donner une bonne claque de caméléon, s'il te plaît, bien appliqué, comme ça tu changeras de couleur. De couleur en couleur, vert, rouge, jaune. Je vais te donner une bonne claque de c'est caméléon bon, si tu me déranges encore. Tu vas changer de couleur. C'est bon, tu n'as pas le sens. Désolé. C'est ainsi que vous finissez, toute seule. La femme de joie de tout ce village. Tu veux me vider? Tu penses que je ne connais pas? Espèce de macaque.
est ta maison? Tu n'as pas dessiné de maison? Tu n'as rien mis de ce que tu as? Tu dois dessiner quelque chose. Il fait chier. Il fait chier. Oui. Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Amarachi, je viens de me rappeler qu'il est presque 5 heures. Mon oncle n'est toujours pas rentré. Et j'ai très peur. Il n'a rien mangé depuis le matin. Donc, à cause de ça, tu as arrêté notre jeu? Mais tu sais que ton oncle a l'habitude de partir et rentrer tard. Pourquoi te comportes-tu comme si c'était la première fois ou une nouveauté? Mais t'inquiète, il rentrera avant que la nuit ne tombe, d'accord? Continuons notre jeu. Il rentrera, je te promets. Donc, tu peux jouer. Je construirai aussi ma maison. Tu penses être la seule? Où est ta maison? Amarachi, comment t'attends-tu à ce que je sois à l'aise en jouant à ce jeu, sachant que mon oncle est sorti et qu'il n'a pas mangé? En fait, je suis fatiguée. Laissons ce jeu pour un autre jour, s'il te plaît. Hein? Compris? D'accord, aucun problème. Tu ne veux pas. Mais ce n'est pas juste. Je suis fatiguée. Ce n'est pas juste. Tu ne veux pas jouer. Ce n'est pas juste. Allez, ne t'inquiète pas. Ton oncle rentrera bientôt. Ah! C'est pour ça que je dis de ne pas t'inquiéter. Il rentrera bientôt, d'accord? Ekene? Hey, Ruth! Hey! Hey, Ruth! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non. Où peut être mon oncle? Ça fait maintenant 2 jours. Qu'il est sorti et qu'il n'est pas revenu. Il n'a jamais été comme ça. Non. Je pense que je devrais aller chercher Amarachi. Alors, elle m'aidera à aller chercher mon oncle. Oui, c'est ce que je vais faire. Amarachi? 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 Il fait chier, Déré. Amarachi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air inquiète? C'est mon oncle. Ça fait 2 longs jours maintenant que je ne l'ai pas vu. L'as-tu cherché au champ? Non. Qu'en est-il du bar? Non, je n'ai cherché nulle part, mais je pensais qu'il allait rentrer plus tôt à la maison, mais... Ah. Ton oncle nous cause trop de problèmes, oh. Il nous cause trop de problèmes. Moi, je suis fatiguée, oh. Tantine, tu es la seule amie que j'ai. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi pour la dernière fois. Allons le chercher. Je vais te suivre aujourd'hui. Mais après ça, je ne partirai plus avec toi, oh. Moi, je suis fatiguée. S'il te plaît, allons-y. Merci beaucoup. Allons-y. Thank you.
Il fait chier. Ce n'est pas lui. Il fait chier. Il connaît. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche mon oncle. Je ne vois pas mon oncle. Ah, ton oncle? C'est bon. Cesse de pleurer. Rien ne lui arrivera, d'accord? C'est bon. Êtes-vous allé dans sa plantation? Non. Et au bar? Non. Ah, vous ne l'avez même pas cherché. Vous vous inquiétez. Allons-y. Allons-y. Allons vérifier. Allons-y. Ah, 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 Jinasa, n'oublie pas de lui dire que la bière n'est plus à 250, c'est 300. Et il paye. Je te donnerai ton argent après. Donne ton argent. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? S'il vous plaît, je suis désolée de vous déranger, s'il vous plaît. Je cherche mon oncle, je cherche mon oncle. Oui, oui, son oncle. Oui. On ne l'a pas vu. Il n'est pas venu ici depuis une semaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux dire, s'il vous plaît, l'avez-vous vu? Pardon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, ne t'inquiète pas. Allons chercher ailleurs. Venez, il fait chier, venez. Mon oncle! Tonton, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, je ne le trouve pas. Tonton! Mon oncle! Tonton! Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, nous ne pouvons tonton. Pas le trouver. Où peut-il être? Mon oncle! Où peut-il être? Venez, venez. Mon oncle! Tonton! Tonton! Je ne le vois pas, Amarachi. Il n'est pas ici. C'est bon, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Je suis allé de ce côté. J'y étais. C'est mon... Hein? Mon il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Mon oncle. Il n'est pas ici, d'accord. Ah, mais où peut-il bien être? C'est là où il a l'habitude de s'asseoir, mais là-bas, je n'arrive pas à le trouver. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça, non? Mon oncle, m'entends-tu? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Qu'allons-nous faire? Calme-toi, ok? Si tu paniques ainsi, on ne pourra pas réfléchir. Calmons-nous, d'accord? Peut-être tu devrais chercher chez l'un de vos proches. Oui. Ou peut-être chez un ami, d'accord? Calme-toi, rien ne lui arrivera, d'accord? D'accord? Essaye de te calmer, d'accord? Allons-y, allons-y, allons-y. Mon oncle, entends-tu? Dali on odumani wutezi kwamo Baba on odumani wutezi kwemo Manobulugisi choyanona di kwamo ma Manobulunu chema on odumani wetimiwe Ezinne morom inokone memo Name Ina nukwonu me, akwa mwane mweki mela na kwa. Oli sabini kwe, na watanu lomoto. Aline buwe me, obi abawa me. Manopulu nuche matu, onotumani wezi miwe. Manopuno bugi kisi choro miya bawewe monodu. Makopulu nuche matu, onotumani wezi miwe. Onodumani wutezi kwamo Baba onodumani wutezi kwemo Manobulu gisi choyanona di kwamo ma Manobulu nuche matu onodumani wetimiwe Ezine morom inokone memo
name ina no kwonu me akwa mwane wegi melana kwa oli sabini pe na batanu moto aline bueme obi abawa me mano buru nu che matu ono tumani wezi miwe mano buno bugi kisi choro mi abawere mono du mako buru nu che matu ono tumani wezi miwe Dari ono dumani utezi kwa mo Baba ono dumani utezi kwe mo Manoburu gisi choya lona di kwa mumba Manoburu nuche matu ono dumani wezi miwe Ezinye morom ino kwone memo Name Ina no kwonu me akwa mwane wegi melana kwa oli sabini pe na batanu moto aline bueme obi abawa me mano buru nuche matu ono tumani wezi miwe mano buno bugi kisi choro mi abawere mono du makoburu Hey, kem. Hey, panetti vim, pam 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 pam. Ah, mon panetti, kem. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. Désolé. Cesse d'être désolé. Va juste et droit au but. Dis-moi ce qu'il y a. Doucement. Chou. Je vais vraiment tout voir dans ce village. Dans ma famille, mon arrière-grand-mère a donné naissance à 11 enfants, 11 garçons. Ma grand-mère a donné naissance à 10 enfants, 10 garçons. Et ma mère a donné naissance à 10 enfants, et je suis la dernière fille. Et elles étaient toutes vierges. Et même moi, je suis une vierge. Aucun homme. Personne de ce village n'a vu ici, n'est entré ici, excepté ceux de la ville. Mais laissons ça pour un autre jour. Débat pour un autre jour. Oui. D'accord, alors tu es une vierge de village. Laisse ça. Je t'aime tellement, mon palliatif. Je n'ai fait aucun avortement. Tu vois toutes ces filles de ce village? Toutes les filles de ce village ont avorté. Leur premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième, cinquième, sixième, septième... Oh bim, si tu veux 10, 15, 20, je te les donnerai tous. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi me dis-tu que ta famille a de 15 à 20? Alors, vous êtes la cause de nos problèmes dans ce pays. Une seule personne accouche 15 enfants et l'autre accouche 21. Je suis sûr que vous ne savez même pas le nombre d'enfants que vous avez chez vous. C'est quoi votre problème? Hein? Une seule personne accouche une communauté. Ton oncle a 15 enfants, l'autre 52 et l'autre 12. En quoi ça me concerne? Ok, Ekem, je t'en donnerai juste un si tu veux. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je suis... Si tu me touches, je vais te gifler. Suis-je le seul garçon dans ce village? Hein? Ou suis-je le seul homme qui a un ami en Amérique? Pourquoi ne me laissez-vous pas en paix dans ce village? Tant si tu essayes de me toucher. Oh! Allez, dégage! Rentre chez toi! Ok, si tu veux que je sois stérile, je serai stérile pour que toi! Que le tonnerre te frappe là-bas! Je ne te ferai pas d'enfant. Je ne t'en ferai pas. Désolé, je ne te ferai pas beaucoup d'enfants. Ekem, Abim, Abim. Folle, espèce de folle, grosse folle. Que le tonnerre te frappe. Que je te revoie encore. Abim, mais attends. Ah, je pensais que tu t'es enfui. Non. Attends-moi, je vais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Ifechi? Hey, Ifechi, ne pleure plus.
Cesse de... Tu ne peux pas continuer à pleurer ainsi. Ifechi, écoute. Écoute, écoute-moi. Tu n'as pas à pleurer. J'ai la ferme certitude que ton oncle reviendra un jour. Quand? On a juste à avoir la foi qu'il reviendra. Hein? Tu ne peux pas pleurer comme ça tous les jours, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon oncle mérite ça? C'est un homme bien. Je veux juste qu'il rentre à la maison. C'est bon, ça suffit, ça suffit. C'est bon. Au moins, je suis là pour toi, d'accord? Je suis ton frère. Je suis là pour toi. Et je sais qu'il t'est très cher, d'accord? Je te promets que... qu'il reviendra. D'accord? Fais-moi confiance, mettons notre espoir en Dieu. Il va revenir. Hein? Mais arrête de pleurer. Ah, ça suffit. En fait, je dois t'emmener chez moi. Ce serait mieux, au lieu de rester ici toute seule. Je veux rester comme ça jusqu'à ce que mon oncle rentre. Ifechi, est-ce que tu peux m'écouter? Ceci n'est pas bien pour toi. Pas du tout. Ce n'est pas bien pour toi. C'est bon, viens. As-tu mangé quelque chose? Non, mais tu devrais manger quelque chose. Hein? Allons à l'intérieur. Tout ce que je verrai, je vais préparer pour toi. C'est bon, lève-toi. Ah, ah. Cesse de pleurer, ça suffit. Cesse de pleurer, allez, ça suffit. Ifechi, est-ce vraiment ce que tu veux t'infliger? Tu pleures tout le temps. Mais Ifechi, ça ne résoudra pas ton problème. Du tout, pleurer ne résoudra pas ton problème. Ifechi, arrête. C'est bon, s'il te plaît. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ifechi, tu ne veux pas arrêter de pleurer. Tu ne veux pas arrêter de pleurer. Je ne peux pas te laisser ici. Je ne peux pas te laisser ici toute seule à pleurer. Allons chez moi. Au moins, je serai avec toi. Hein? Allons-y. Arrête de pleurer. C'est bon. Je ferme la porte. Je reviens. Arrête de pleurer, d'accord? Et Kenny, dis-tu? Et Kenny? Et Kenny, viens! Mais qui est-ce encore? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Calme-toi. Après m'avoir déçu, tu as encore le courage de venir chez moi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et Kenny, calme-toi, viens, viens. À qui demandes-tu de se calmer? Viens que je te dise quelque chose, nous sommes de la même famille, non? Tous les deux, les mecs de la rue. Attends, avec qui es-tu? Avec qui es-tu dans la rue? Donc tu me mens dans ce village que tu as 20 dollars, que tu as beaucoup d'argent. Oublie, pourtant, tu es juste un agent ordinaire comme les autres. Tu m'as dit que tu as des maisons, tu as ceci, tu as cela. C'est à moi que tu mens. J'ai perdu mon temps en te suivant, n'est-ce pas? Hein? Obélis. Et Kenny, ne te fâche pas, je sais que tu es fâché contre moi. Tu sais ce que je porte ici, c'est du bling bling. C'est du bling bling que je porte. Ce n'est aucun bien, ça ne coûte pas 10 millions. D'accord, ne te fâche pas. Nous sommes tous des débrouillards. Je suis à Abba. Je travaille à Abba. Attends. Donc les USA que tu me disais, c'était les USA d'Abba. Oui, ce sont les USA d'Abba. Hey! C'est là-bas que je bosse. Aide-moi. Depuis 2 jours, je n'ai pas mangé. Je suis dans les problèmes avec mon bailleur. Il a fermé ma porte. Inclus mes habits. Et tout. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Et Kenny, comme tu me vois là, je n'ai nulle part où aller. Ah. Et Kenny, s'il te plaît, aide-moi.
Tu es un homme comme moi. Tu es un homme. Aide-moi n'importe comment. Aide-moi. S'il te plaît. Alors, ça veut dire que c'est la nourriture que tu es venu chercher? Oui. Oui, Elisabeth, si tu en as quelques-uns, donne-moi pour que je me change. N'importe quelle nourriture, si c'est du couscous. Non, non. Ne fais pas de choix. N'ose pas l'autre là. Ne sais-tu pas que je suis l'intello de ce village? Il fallait me dire. On aurait réfléchi ensemble comme je planifie aller en ville. Ne sais-tu pas que si c'était en ville, qu'on faisait ces trucs de 20 000 dollars, 10 000 dollars, on aurait de l'argent. Pas rester ici à perdre mon temps à te suivre. Hein? Calme-toi, tu es l'intello du village et non de la ville. Ce n'est pas tout que je suis censé te dire. Allez, arrête tes bêtises. Je suis l'intello de ce village. Arrête de dire tes bêtises. Ce n'est pas tout que tu me fais la morale. Mais non, je ne te fais pas la morale. Comment te fais la morale? Tu es mon pote, mon bras. Tout ce que tu sais faire, c'est Cho. Pourtant, tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. Depuis que je te connais, tu portes les mêmes babouches. Je ne dis plus rien. Je t'en prie, je vais chercher quelque chose pour que... Écoute, ce n'est pas tout que je suis censé te dire. En fait, qu'avez-vous préparé? Du couscous? Non, tu n'as pas de choix à faire. Tout ce que je vais trouver, je vais te l'apporter. Et pour les habits, mon boss pourrait te donner un pantalon. Juste un pantalon. Ma penderie est vide. Je reviens, attends-moi là. D'accord, je t'attends. Merci. Ekene. Ekene, tchou. Ekene. Attends, est-ce que tu viens de dire tchou? Non. Désolé. J'aurais laissé cette nourriture, ainsi que les habits, pour que tu manges ce chou. Ne peux-tu pas attendre, maman? Mais non, je l'ai déjà eu au téléphone. L'endroit où je vais est très loin, d'accord? Et ce n'est pas comme si je savais où je vais. Je dois arriver là-bas très tôt pour être sauve. Confrère, pourquoi tu ne sais pas où tu vas? Tu es devenue folle. J'ai une adresse. Je veux dire que je ne connais pas vraiment l'endroit, mais je dois arriver tôt pour éviter d'avoir des ennuis. Alors dis à maman que je suis parti, d'accord? D'accord. Confrère, tu vas me manquer, tu vas me manquer. Écoutez, attendez, laissez-moi vous dire. Je ne veux entendre aucune histoire. Vous ferez mieux de vous respecter dans ce village, parce que si j'entends un truc, je sauterai dans le bus pour revenir ici. Vous savez de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas vous respecter, surtout toi. Grand frère, ne t'inquiète pas. Je suis parti. On va se comporter. Tu vas me manquer. Vous aussi. Mon Dieu! Hey. Jésus! Ah! Amati? Qu'est-ce que c'est? L'argent. Débrouille-toi avec ceci, de la part des Kéné. Je suis partie en ville. Yeah. Ah! Ce n'est pas possible. Allons chez lui pour confirmer s'il a voyagé ou pas. Allons-y.
Salut. Bon après-midi. Bon après-midi, jeune dame. Comment allez-vous? Nous allons bien. Ah, désolé, je m'appelle Johnson. Je réside en Allemagne. Ça fait longtemps que j'ai quitté le village. Et c'est marrant, je n'arrive même plus à localiser la maison de mon père. Eh, vraiment? Oui, je ne sais pas si vous connaissez une famille au nom de Dubourcy. Amarachi, connais-tu une famille de ce nom? Dubourcy. Oui. Hé, hey, la famille Dubourcy. Oui. Je connais l'endroit. Ah, vous avez raté votre chemin. Ce que vous allez faire, allez juste comme ça. Quand vous arrivez au bout, allez à gauche. Allez à gauche. Il y a... Ha, né. Je conduis depuis le matin, depuis mon arrivée. Oh. J'ai parcouru et emprunté toutes les routes possibles. S'il vous plaît, pouvez-vous juste m'y emmener? Ça sera plus facile pour moi. Nous devons entrer dans la voiture pour vous y amener. Oui. Alors allons-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, nous vous y amènerons. Ok, merci. Donc, sérieusement, je ne savais pas que ce village avait d'aussi belles filles. Oui, maintenant, vous nous avez vus. Je veux dire, vous m'avez vu. Quoi? Alors, quel est votre nom? Eh bien, je m'appelle Amarachi, mais vous pouvez m'appeler Ami. Waouh. Et vous? Je m'appelle Ifeti. Ouais, Ifeti Dere, c'est son nom. Ifeti, waouh. De belles filles avec de jolis noms. Merci. Et vous vous appelez? Johnson. John Ensom. Johnson. Ok, John. Vous devez être une fille. Oh oui, je le suis. Je suis vraiment une personne joviale, en fait, de tous les villages. Waouh. Oh, c'est... doucement, je pense que la route est mauvaise. Ouais. Il nous reste juste deux virages. Oui, j'étais... Cette route est vraiment mauvaise. Quand vous arrivez là, vous verrez de ce côté. D'accord. Waouh. Eh bien, j'ai même honte de dire que je n'arrive pas à retrouver le chemin qui mène chez mon père. Ce n'est pas grave. Vraiment. Waouh. Dieu merci. Là, tournez ici. Ici? Oui. Je pense que c'est l'endroit, c'est chez Dubourcy. Oui, je pense. Je pense que je m'en souviens maintenant. N'oubliez pas la prochaine fois. Non, ce n'est pas... Même si vous oubliez, je serai là pour vous guider. Waouh. Mais ce n'est pas ma faute, je suis parti. Je suis parti quand j'étais jeune, donc comprends-moi. D'accord, ce n'est pas... Allez tout droit. D'accord, tout droit. Oui. D'accord. Waouh. Alors, toutes les deux, vous êtes amies ou sœurs? Waouh, je peux voir. Johnson! Hey. Johnson! Johnson! Oh mon Dieu! Hey papa! Johnson! Oui papa! C'est vraiment toi? Oui papa! C'est vraiment mon fils Johnson! C'est moi ton fils! Johnson mon fils! Hey! Oui papa! Mon fils, c'est vraiment toi? C'est bien moi! Bienvenue! Merci papa! Merci mon Dieu. Je suis vraiment témoin de tout ceci! Oui! Papa, le Seigneur a été bon avec moi. Crois-moi, le Seigneur a été merveilleux. Venez vous asseoir. Papa, merci. Bon après-midi. Venez vous asseoir, venez. Waouh. Venez. Allez, viens. Viens t'asseoir. Ah. Alors, les filles. Mais. Qui sont ces filles?
Ah, papa, je les ai rencontrés sur le chemin en revenant. C'est elles-mêmes qui m'ont montré la maison. Et n'est-ce pas? Tu as trop grandi. J'avais oublié. Tu as grandi au point d'oublier le chemin qui mène chez ton père. C'est bien. Oui. C'est bien. Oui. Ma fille. Papa. Qui est ton père? Papa, je m'appelle Amarachi et je suis la fille de Mazenaji. Oh, Mazenaji? Oh, tu ressembles à ta mère. Je peux voir les traits de ressemblance. Hey, c'est bien. Et toi, ma fille? Papa, je m'appelle Ifeti Bere, la fille du défunt Mazi Kenakumam. Oh! Mazi Kenakumam. Alors, comme ça, tu es cette petite fille qui vivait en ville avec Onyema. Qu'as-tu mangé? Arrête de la provendre. Non, pas du tout. Hey! Waouh! C'est bien. Papa, accorde-moi une seconde. D'accord. Père. Eh, mon fils, je suis rempli de joie. Je rends grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Il est très beau, comme vous. Oh, merci, ma fille. C'est le même sang. Merci. Merci. Hey. Les enfants, je vous apporte quelque chose à boire. Non, okay? Pas la peine. J'ai quelque chose pour elle. Ah oui? T'inquiète pas, d'accord? Toi, tiens ça. Papa, calme-toi, ce n'est rien. T'inquiète pas, d'accord? Nidile, non, j'en ai assez. Tiens, Ifeti. C'est pour toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Crois-moi, ce n'est pas grand-chose. C'est bon, ça suffit. T'inquiète, papa, calme-toi. Calme-toi. J'en ai largement assez. Calme-toi. Tiens. Non, pour Ifeti. Merci tu peux prendre beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je t'en Merci. Prie. Hey, papa des papas, comment tu vas? Allez, comme tu peux le voir, je vais bien. Je m'inquiète plutôt pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter, papa. J'en ai beaucoup. Il y en a plein dans la voiture. Ah, merci, ça fait longtemps. À vous. Je pense que nous allons partir. Ah, merci déjà beaucoup. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, vous pouvez venir quand vous voulez, ok? Ok, d'accord. Oui. Sentez-vous à l'aise. Bye bye. Ouais. Merci. Ouais. Hein. Ouais. Merci. Je t'en prie. Mon fils, tu as donné beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, cette voiture changera ta vie. Quoi? Cette voiture t'appartient? Bien sûr. Ah, papa, c'est ma voiture. Ta propre voiture? Ma voiture, papa. Papa, Chinec, c'est ma voiture, ma machine. Chinec. Oh, papa, cette voiture est aussi la tienne. Hey, je n'arrive pas à y croire. Je n'y crois pas du tout. Tu viens vraiment de loin. Ne t'inquiète pas. Une voiture est dans ma cour. Allons-y. Hey. J'ai ma valise dans la voiture. J'avais oublié. Hey. Papa, ne t'inquiète pas. Deux pieds, au lieu de partager à part égale. Et tu ris. Tu me demandes de compter pour toi. Oh, tu veux acheter de la bouillie? Aucun problème, aucun problème. Ijoma Lazio.
Tu veux dire qu'il n'est pas revenu depuis? Non, papa. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Il fait tidérer. Papa? Quand il reviendra, dis-lui que nous viendrons demander ta main en mariage. Aussitôt qu'il est de retour, dis-lui que nous viendrons le voir. Ok, papa. Exactement. Je vous apporte quelque chose, les filles. Es-tu sérieux? Bien sûr, vous savez que je le fais toujours. J'ai toujours quelque chose pour vous. Merci. Ah. Non. Attendez-moi là. J'ai quelque chose pour vous. Amara, papa, t'es juste là, je vous viens. Ouais. Ifechi, prends soin de mon fils. Tu constates qu'il t'aime vraiment. Ok, papa. Tu sais, les hommes comme lui sont vraiment rares. Tu as compris? Oui, papa. Je D'accord. Je serais très heureux de t'avoir comme belle-fille. Me voici. Ah, non, papa. Amarachi, ça c'est pour toi. Merci. Ifechi. Et ça c'est pour toi. Waouh, tout ça pour moi? Bien sûr. Mais vas-y doucement. Wow, c'est ma fiancée. Tout ça pour moi. C'est ma fiancée, je papa. Je te remercie. Je t'en prie. Papa, calme-toi. J'espère que tu aimes. Bien sûr que je t'aime. Merci. Je le savais. Oh, Coco Bianco. Je t'en prie, je t'en prie. Que dire? Merci, papa. Oui, merci à toi, ma fille. Merci. De rien, tu sais. Je t'en donnerai plus. Je t'en donnerai plus. Donc, cette fille est en train de devenir la femme d'un homme riche. Après tout l'amour et l'attention que je lui ai témoigné. L'autre jour, ce stupide Johnson lui a donné 10 000 et m'a donné 5 000. Hier, il lui a donné un sac chargé. Qui sait ce qui était même à l'intérieur? Et m'a donné cette stupide Malta. Cette stupide Malta. Non. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Ijoma, viens. Oh, Guini. Viens. Attends. Je ne suis pas intéressée par quoi que ce soit que tu as à me dire, Amarachi. Oui, parce que si ce n'est pas à propos d'Ifeti, ça sera que je la déteste. Tu lui parles très mal. Alors, quoi d'autre veux-tu, hein? Tout ce que tu me dis à propos de sont tous faux. Sont vrais. Non. Idioma. Ce n'est pas vrai. Peux-tu croire? Peux-tu imaginer? Cette stupide fille a pris tout l'argent que quelqu'un nous a donné à deux. Hein? Elle a pris tout l'argent. Hey! Es-tu sérieuse? Et tu ne l'as pas récupéré? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons le récupérer. Allons-y. Non, attends. Tu sais que je n'aime pas les bagarres physiques. Hein? Je n'aime pas bagarrer. Tu le sais. Hey. Tu n'aimes pas les bagarres non. physiques. Je sais quoi faire. Viens. Je te fais confiance. Ifeti ne peut pas me défier. Merci. Qu'est-ce que tu crois? Aïe, tu n'as pas à t'inquiéter. Merci. Aïe, qu'est-ce que tu crois? Je te fais confiance. Aïe. Oh Dieu, regarde comme tu brilles. Tu profites de l'argent que ce riche t'a donné, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu n'as pas remarqué que j'ai acheté une nouvelle jupe avec cet argent? Oui, j'ai acheté cette nouvelle robe avec cet argent. Tu penses être la seule à avoir de l'argent? Qui sont ces gens? Ah! Toi! Ah! Mon Dieu! À terre! S'il vous plaît, arrêtez! Tapez-la. Arrêtez, s'il vous plaît! Attendez, s'il vous plaît! Arrêtez! Arrêtez ça, s'il vous plaît! Laissez-la! Arrêtez ça, s'il vous plaît! S'il vous plaît, arrêtez! S'il vous plaît! Pardon! S'il vous plaît, lâchez-moi! S'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Écoute-moi! Si je te vois encore traîner autour de cet homme, je vais te tuer! Ah, je te tuerai! Folle! Qu'est-ce qu'elle fait? S'il vous plaît! Laissez-moi. Arrêtez, s'il vous plaît! Pardon! Arrêtez! Pardon. M'as-tu comprise? La prochaine fois que je te verrai, autour arrêtez, de cet homme! S'il vous plaît! Oui, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais s'il vous plaît! Trouver. Arrêtez! Je t'assure! Non! Ne la tuez pas! Arrêtez! D'accord, s'il vous plaît! Ferme-la! S'il vous plaît! S'il vous plaît!
Allons-y. Oh, mon ami! Ah, s'il vous plaît! Ah, mon ami, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. T'inquiète, ça va aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de pleurer. Désolée. Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça? Ça va, ne t'inquiète pas. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Je vais me rassurer de le trouver et on l'arrêtera. Ne t'inquiète pas. Désolée, va à l'intérieur. Je vais me rassurer. Est-ce que tu es sérieuse? Ijoma, écoute, hein, je veux te remercier. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. J'étais fière. Il fallait voir comment l'homme à la cigarette frappait. Et Et moi, j'étais derrière en faisant comme ça. Arrêtez. J'étais... Ma chère... Fais-moi confiance. Tu me fais confiance. Je te fais confiance. Tu fais maintenant confiance au jugement, Ijoma. Je te l'ai dit. Cette fille ne peut pas me défier. Écoute. Pour le fait qu'elle a peur de toutes les filles de ce village et qu'elle a décidé de jouer avec nous. Jusqu'ici, elle a goûté à un petit peu, un tout petit peu de notre patience. En fait, ce gars que j'ai contacté pour la frapper n'a rien fait. C'est insuffisant. C'est juste un peu de piment. Fais-moi confiance. Tu es maintenant ma défenseuse. Oui, oh. Et tu es venue, les mains vides. Tu es ma meilleure amie. Tu peux partir. Merci. Ne t'inquiète pas. Merci. Maintenant, tu me fais confiance. Merci beaucoup. Je t'en prie. Qui est là? Papa, bonjour. Ah, né. Bonjour, papa. Ah, tu es seule? Oui, oh, papa. Bienvenue. Merci. Assieds-toi. Merci, papa. J'espère que tout va bien. Papa, tout va bien, oh. Tout va bien. Et ton ami, il fait chidéré. Il fait chidéré. Papa, elle n'est pas venue avec moi, oh. En fait, elle est la raison pour laquelle je suis ici. Papa, savez-vous qu'ils ont des problèmes mentaux dans leur lignée? Hein? Oui. Tu es sérieuse? Papa, je ne vous mentirai pas. Vous êtes comme un père pour moi. Ils ont des problèmes mentaux dans leur lignée. Et elle va apporter ça dans votre famille. Hein? Pouvez-vous imaginer? Dieu m'en préserve. Papa, je ne veux pas que vous soyez une victime de regret. C'est pour ça. Hein? Je te remercie. Merci beaucoup. Tu es une bonne fille. Tu sais ce que j'aime, c'est la transparence. Merci. Et la vérité. Tout simplement. Hey! Je suis content. Je vous le dis, non pas parce que je veux gâter leur mariage ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce que je veux le meilleur pour vous. Hein? Merci. Je ne veux pas que votre fils ramène une folle dans votre famille. Mais non. Dieu m'en préserve. Hey. Que Dieu m'en préserve. Moi, avoir un fou. Comme petit-fils. Non. Que Dieu m'en préserve. Papa, je vais devoir partir. Je m'en vais. Oh. Je suis juste venue vous le dire. Oh. J'étais occupée. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Merci, merci. Vais. Au revoir. Hey, me ramener des fous dans ma descendance. Dieu m'en préserve. Hi. Incroyable. Qui aurait cru? Je ne peux pas le c'est croire. C'est incroyable. Cette stupide fille se marie avant nous autres. Hey. Avant nous. Amarati, dis-moi que je rêve. Dis-moi que je rêve. Oh. Hey. Je ne peux pas croire que cette vendeuse de bouillie, cette sale chose, cette petite villageoise va bientôt se marier. Une minute. Avant nous. Est-ce que ce gars est aveugle? Après nous avoir vu tous nos atouts, il laisse la belle dame que nous sommes pour cette vulgaire inconnue. Mais je t'avais prévenu. Est-ce que je savais? Je t'ai averti de rester très loin de cette sorcière. Est-ce que tu savais? Tu vois? Je l'ai toujours su. Tu vois?
Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours suspecté, même quand on était amis. Cette fille se comportait de façon étrange. Je suspectais qu'elle était possédée par un démon. Mmh. Oui, je n'ai pas suspecté. Et je pense qu'elle est responsable de la folie de son oncle. Oui. Oh, Amarati. La première fois que j'ai vu cette fille, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu dois m'aider. Tu dois m'aider, s'il te plaît, parce que ce n'est pas ordinaire. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je vais t'aider. Amarati, je vais t'aider. Mais je t'ai averti. Tu n'as pas écouté. Je suis désolée. Il est évident que cette fille épouse ton mari. Hey, oh. Mais oui, c'est évident. Oh. Elle épouse ton mari. Elle s'est permise de prendre ce qui te revient de droit. Hey. Quand je te disais, tu me sortais les inepties comme Idioma. Idioma, tu es méchante. Tu es si, tu es. Est-ce que tu as vu? Je dois m'aider, mais arrête. Je dois t'aider. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon, hey. Je vais t'aider. Tu es encore mon amie. Hmm? Laisse-moi m'habiller. Je t'amène okay. quelque part. Merci. Attends-moi, je reviens. Ah, ah. Il fait chier. Comme ça, tu penses que tu peux mal agir, me traiter ou éloigner mon mari de moi et aller librement. Je vais te montrer piment sur piment. Idioma, dépêche-toi. J'ai hâte de m'occuper de cette sorcière. Papa, mm-hmm. Je suis venue te rappeler que ces gens viendront demain. Demain? Oui, mmh, papa. Ça, c'est bien. C'est bien. Il y a une question que je voudrais te poser. Ok. Est-ce que tu es sûr que tu aimes cet homme? Oui, je l'aime tellement. Tu l'aimes beaucoup. Usawaduro, je serai là. Arvaria au moins. Hein? Papa. J'arrive. Anawari. Merci, hein? Papa. Hey, Uchatunako, oh? Ok, oh, je retourne vendre ma bouille. Je suis venue te rappeler pour que tu n'oublies pas. Ok, sans problème. Je serai là. Aroba, tiens. D'accord, hein? Papa. Demain, au revoir. Ogoli mo bora goro mu. Hein? Aroba, tiens, au moins. Ah, enfin, ça aura lieu. Naï, papa. Après l'avoir écouté, j'ai été terrifié. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'épouses pas Amarashi, on cherchera une autre fille. Papa. Papa, c'est évident qu'elle est jalouse de sa copine. Hein? Papa, écoute, tu vois cette Ifeshi Dere. J'ai vu cette fille et elle a attiré mon attention. Elle a capturé mon cœur. Ah? Papa, je vais aller droit au but. J'aime Ifeshi Dere. J'aime cette fille. Je l'aime tout le monde. J'aime cette fille, cette fille. Il ne s'agit pas simplement d'aimer cette fille dont nous sommes en train de parler. Il s'agit là de ses antécédents familiaux. Il s'agit de son histoire. Dis-moi, où est son oncle? Il est introuvable. Donc, son histoire le confirme. Papa, je pense que cela n'a pas d'importance. Ha! Papa, écoute, tu devrais arrêter d'écouter ce que les gens disent sur les autres gens. Hey! Parce que les gens mentent beaucoup. D'accord, papa, tu ne sais même pas ce qu'ils disent de toi. Hey! Donc, ne juge pas. Johnson, mon fils! Je l'aime, papa. Je l'aime tout le monde. Johnson, mon fils, sois sage! Johnson, je vais te dire quelque chose. Ce que un vieil homme voit étant assis, un enfant, même sur un arbre, ne peut pas le voir. Papa, laisse ça. Tu m'écoutes? Tu ne pourras rien voir, peu importe ce que tu fais. Johnson! Qu'est-ce qu'ils le retiennent? Eh bien, je ne sais pas. Mon frère, jusqu'à 7 heures, il commence à se faire tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ne viennent-ils pas? J'ai laissé certaines personnes qui m'attendent pour honorer à cette invitation. Que se passe-t-il? Bien, ils arrivent. D'accord. Tu sais qu'ils viennent de très loin. Mmh. Et tu sais, la route est vraiment très très mauvaise. Et tu sais, ils doivent parfois rouler doucement pour éviter les pannes. Ils vont arriver, hein? Nous devons juste
être encore un tout petit peu patient. Je crois qu'ils seront là. Ils viendront. D'accord, bah, si tu le dis. Laisse-moi demander à ma petite princesse. Bien, Ifeji. Ifeji! Mon oncle! Est-ce que nous n'avons pas assez attendu? Hein? Regarde un peu ton oncle. Il s'est engagé quelque part. Jusque-là, il doit absolument rentrer là-bas. Il y a des gens qui l'attendent. Papa, je pense que nous devons leur donner un peu de temps. Hey! Ils seront bientôt là. Oh! Mazie Zekwe, je ne pense pas que je resterai plus longtemps. Hey. Parce que ces gens perdent patience. Je ne pense pas que je vais peut-être m'en aller. Ce que tu feras quand ils viendront, tu me passes juste un appel. Je ne suis pas loin d'ici. Tu ne dois pas te tracasser. D'accord? Oui. Ne te tracasse pas. D'accord. Et tu as déjà assez fait pour moi. Donc, hein? Nous sommes une famille. Tu peux partir. C'est d'accord. Donc, s'il te plaît, appelle-moi. Appelle-moi et j'y viendrai. Ne t'inquiète pas, je te le ferai savoir. Nous sommes ensemble. Et moi, je vais rester un peu plus. C'est bon, c'est compris, oui. Hey. Naï. Oui, je vais partir. Je dois assister à une réunion. Hey. Et je suis déjà en retard. Ah, Ifeji! Ifeji! Papa? Viens. Débarrasse tout ceci. Apporte ceci à l'intérieur. Débarrasse! Donne-leur du temps! Tonton, donne-leur encore un peu de temps, ils seront bientôt là! Je ne peux pas me donner la mort à cause d'eux. Elles m'en prêtent toute la journée! Est-ce que tu n'es pas sûre qu'ils ont changé d'avis? Non, je suis très sûre qu'ils viennent. Il ne prendra pas. Tonton, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. S'il te plaît, mon nom, s'il te plaît. Apporte ça à l'intérieur. Et quand ils viendront, je vais appeler mais je vais les rappeler. Donne-leur un peu de temps, tonton. Mais peut-être. Débarrasse-moi tout ça. Baba ono domani uteji kwemo na nobulu kiti choya nona di kwa mumma na nobulu nuche matu ono domani wezimiwe ezine morom ino kwone memo nami ina nukwonu me akwa mwane mweki melana Oli sabini kwe na watanu moto aline bueme obi abawame manoburu nuche matu ono dumani wezimiwe manobuno bugi kisi choro mi abawere monodu makoburu nuche matu ono dumani wezimiwe
Ami, je n'ai jamais été déçue de cette façon de toute ma vie. Peux-tu imaginer qu'hier, mon oncle et moi avons attendu toute la journée, mais ils ne se sont pas montrés. Mais ce n'est pas un problème. S'ils veulent venir, ils viennent. Sinon, laisse-les tomber. Amarachi, attends, ne penses-tu pas qu'on devrait aller chez un homme au moins pour... Ah, tais-toi. Ah, sais-tu même ce que tu dis? Aller chez un homme, lui demander la raison pour laquelle il n'est pas venu demander ta main. T'entends-tu parler? Esma, ça veut simplement dire qu'il ne t'aime pas. Il aime une autre fille. Et la fille qu'il aime, il l'aime. Elle l'aime tellement. Oublie-le. Je ne sais pas. Je veux juste savoir si tout va bien, hein? Tout va bien, t'en fais pas. Oublie-le, il ne t'aime pas du tout. Alors, tu veux dire que je devrais tout oublier? Bien sûr! Devrais-je le dire encore? Oublie-le, il aime une autre fille. Hmm? Ce sera difficile pour moi, je ne sais pas. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Bien. Tu sors? Bon, j'y vais. Oh, mon frère, mon petit frère. Amy? Amy, c'est ton frère? Oui. Et tu ne m'as jamais dit que tu en ferais comme ça? Je vais encore acheter de la bouche, oui, parce que oui, celle-ci ça ne sera pas assez pour aujourd'hui, hein? Ok. Il fait chier. Viens, 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 viens. Amarachi. Bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Où est ton ami? Ah, il fait chier, dirais. Johnson? Oui, comment tu vas? Je vais bien. Tu es là? Oui, je... écoute, je suis venu m'excuser pour ne pas avoir respecté notre rendez-vous. J'ai eu un imprévu. Quelque chose qui nécessitait une attention urgente. C'est pour ça qu'on n'est pas venu comme prévu. S'il te plaît, ne sois pas offensé. C'est compris. Au moins tu es venu. Je suis maintenant rassurée. Oui, écoute, il y a quelque chose sur lequel je travaille. Une fois que j'aurai fini... Nous viendrons vous voir, d'accord? Alors ne t'inquiète pas, tout va bien. D'accord, je suis contente maintenant. D'accord, je dois y aller maintenant. Déjà aussitôt? Oui, j'ai quelque chose de très urgent à faire, donc. Donc, on se voit plus tard, bien. Ami, hein? Johnson est là, tu l'as salué? Oui, je l'ai fait. D'accord, tu l'as fait. Oui. S'il te plaît, prends ceci. Pour moi? Hey! Tout ça pour moi? Oui, débrouille-toi avec et prends soin de toi, d'accord? Merci beaucoup, hein? Je t'en merci. Prie. Merci. Amarachi. Au revoir. D'accord. À bientôt. D'accord. Ok, au revoir. Ah, nous n'allons plus partir au marché. Regarde ça. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi irons-nous encore vendre de la bouillie? Je ne vais plus nulle part. Amy, nous allons préparer de la vraie nourriture. Laisse-moi remettre tout ça à l'intérieur, d'accord? Donc, après tout ce que j'ai dit au père de Johnson, tu réfléchis. Il a quand même permis à son fils d'aller demander sa main. Aïe! Ijoma avait raison. Cette fille utilise le charme. Mais je vais lui montrer qu'il y a des charmes qui dépassent le charme. Papa, il est finalement arrivé hier soir, bien qu'il ne soit pas venu avec son père. Mais il a expliqué pourquoi ils ne sont pas venus ce jour-là. D'accord. Tu sais, j'étais très triste à propos de tout. Parce que tout me semblait enfantin.
enfantin. Et comment a-t-il pu humilier une personne comme moi? Hmm? Eh bien, vu qu'il est venu s'excuser, alors je pense qu'il y a espoir. Hmm? Oui, papa. Il y a de l'espoir, d'accord? Oui, il y a de l'espoir. Papa? Ah, Organe. L'autre jour, en entrant dans ma concession, je ne sais pas, quelque chose m'a pris au pied. Et depuis ce temps, j'ai très mal. Tchabadou ou Tagoroko? J'ai très mal. Douloureux. Eh bien, ça pourrait être juste un petit mal négligeable, d'accord? Hein? Ah, d'accord. Ah, ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter. Quand tu iras à la maison, chauffe de l'eau. Prends une serviette. Eh bien, masse particulièrement cet endroit précis. Hein? Masse le juste suffisamment. Tu verras, crois-moi, ça ira. Et okay, ça, d'accord? Très bien, merci. D'accord, ma fille. Je t'en prie, ma chère. Ça va aller, oh? D'accord? D'accord, je vais devoir partir. D'accord, ma merci. Chérie. Merci vraiment. Eh bien, quand nous étions jeunes comme toi, on utilisait les jambes comme les tiennes au champ et on ne ressentait rien. Hein? Cette fille, elle est trop faible, très faible. Hein? Sans problème, tout ira bien. Obelenze. Tu sais que tu es censé... Oh, papa. Je ressens de la chaleur. Je n'ai pas mangé. Oh. Comme tu peux le voir, j'ai chaud. Mais qui sont-ils? Attends. Mba. Tonton, bon après-midi. J'ai chaud. Ne le vois-tu pas? Infetchi. Bon après-midi. Ouais. Regarde un peu qui on a là. Un invité de marque. Nuku Madre. Oui, son nom c'est Oberenze. Oh, dites-tu. Chou. Êtes-vous stupide? Dites-tu. Chou. Dites-tu. Chou. Allez, bébé, top là. Chou. Ouais. Tonton, hein? Top là. Tu connais. Ah, ouais. Tu connais. Qui osa négou? Dis-tu. Tchou. Dis-tu. Tchou. Dis-tu. Tchou. Bébé, viens par là. Allez, bébé. Que se passe-t-il? Tu vois cette chaîne? C'est 10 millions de naira. C'est à toi. Asseyez-vous. J'ai voyagé à travers le monde. La Chine, le Royaume-Uni, la Malaisie, le Tokyo et la Philippine. Je gagne un dollar et je dépense un livre. Hey. Ceci est pour toi, 10 millions de naira. 10 millions. Oui, oh. C'est de l'or. C'est de l'or. Hey, c'est de l'or. Oh. Hey. Papa. Enna. C'est pour toi. Dis-tu. Dis-tu. 10 millions de naira. 10 millions de naira. Mais prends-moi. Dépêche-toi. Hein? Dis-tu. Tchou. Dis-tu. Tchou. Dis-tu. Tchou. Regarde, l'argent. Hey. C'est environ 2 millions de naira. 2 millions et ça, de... 10 millions 2 millions de naira. C'est pour toi et ta fille. Hey. Hey. Donc, la pauvreté est finie. Hey. Et... Hey. Odogu. Aucun mot. Hein? Ok, je vois. Je ne suis pas intéressée par tout ce qui se passe ici, ok? De quoi est-ce que tu parles? Viens ici! Quoi? Tonton, vous n'avez pas à vous en faire. Il va nous sortir de la bouche. C'est une grande opportunité. Tchou! Ne vous en faites pas. Tchou! Hey! Bien, il fait chier! Ne vous en faites pas. Il fait chier! Il fait chier, attends, je te parle. Quel est ton problème? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Attends, sais-tu qui tu as refusé? Sais-tu d'où il vient? De l'Amérique. Est-ce que tu vas bien? Tu t'entends là? Tu veux dire que je dois aller là-bas dehors et épouser cette petite créature? Hey! Il fait chier! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Aïe!
Oublie sa taille. Il fait chier. Attends, attends, je vais te dire quelque chose. J'attendrai mon Johnson. Je suis certaine que le moment venu, Johnson... Tiens, attends, ton Johnson. As-tu oublié comment Johnson t'a humilié? As-tu oublié qu'il t'a laissé pour une autre fille? Tu ne sais même qui? Allez, je te parle de quelqu'un qui a de l'argent. Tu me parles de Johnson. Si tu l'aimes donc autant que tu le décris, va donc et épouse-le. Je ne suis pas intéressée. En fait, j'y vais de ce par leur demander de libérer ma maison. Je ne l'oserai pas. Je vais les chasser d'ici. Reviens ici. Il fait chier. Allons-y. Hein? Et mets mon casier. Allons-y. Oh, hey! Il fait chier. Il fait chier. Il fait chier. Mais attends. Tu vois attends, ce que mon oncle. Où est ton chou? Je veux dire, où est ton chou? Tu vois ce que tu as fait? Il a repris sa chaîne en or qu'il m'a donné. La première fois que mon cou touche à de l'or. C'est pas possible. Hey. Il est crache en ce que je n'ai pas trouvé ici. Je lui aurais montré mon mauvais côté. Et quant à toi, tu es une folle. Va-t'en. Tonton, va appeler notre chou. Hein? Va appeler notre chou. Chou. Hey. Hey. Chou. Hey. Hey. Y a-t-il quelqu'un? Qui est-ce? Oh, c'est moi, Johnson. Johnson. Ah, Ifechi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à ton pied? Je ne sais pas. Ça a commencé par une douleur. Jésus. Non, non, non. S'il te plaît, attends-moi là. Je reviens, d'accord? Comment est-il arrivé? Comment je ne sais pas. Je l'ai trouvé aussi. Non mais, c'est vraiment étrange tout ceci. Allez, prions. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'aucune maladie ou affliction ne sera plus grande que le peuple de Dieu. Je m'appuie sur votre autorité céleste. Chaque esprit permanent sur cette jambe, je déclare une totale guérison sur cette jambe. Amen. Je déclare une totale guérison sur cette jambe. Amen. Je déclare une totale guérison sur cette jambe. D'où que vienne cette maladie, que ce soit dans la mer, dans l'air, Amen. Ou bien dans l'eau,
Je commande qu'elle retourne à l'expéditeur non puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Et ils s'enfuiront tous à rien te faire. Je déclare qu'à cet instant, où qu'ils soient rassemblés contre toi, je déclare qu'ils se lèvent et qu'ils commencent à se manifester maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Je déclare une totale guérison sur cette chambre. Je déclare une totale guérison sur cette chambre. Amen. Que le pouvoir de guérison de l'Esprit Saint commence à se manifester maintenant. Amen. Au nom du tout puissant Jésus-Christ. Amen. Mon Père, merci. Grand merci. Que la puissance du Seigneur descende. Amen. Que la puissance du Seigneur descende. Au nom de Jésus, que la puissance du Seigneur du ciel descende, que la puissance du Seigneur descende. Ma fille, je déclare une guérison totale. Amen. Au nom Amen. Puissant de Jésus-Christ. Amen. T'es guérie, ma fille. Tu es guérie. Amen. Tu es guérie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons pris. Amen. Ah, ma sœur, ne crains rien. Car nous avons un Dieu qui nous soutient tous. Même dans les moments de souffrance, il t'écoutera et il va te délivrer. Oui. Tu es appelé à lui et ce jour, il ne t'abandonnera pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prends cette eau bénite. Je veux que tu la boives jour et nuit. Et je sais, je crois en Dieu. Tu seras guérie, ma fille. Amen. Merci, mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Ah, merci, mon père. Je t'en prie. Merci. S'il te plaît, mon frère, prends soin. Je le ferai, mon père, je le ferai. Ah, je viendrai de temps en temps pour rendre visite, d'accord? Comment tu vas? Je vais beaucoup mieux. Et comment se porte ta jambe? Dieu merci, je vais beaucoup mieux. Au moins, je ne sens plus trop la douleur comme avant. Oh, que la gloire soit rendue au Seigneur. Ah, merci Seigneur, merci. Ma prière est que le Seigneur t'accorde de la santé. Amen. Bientôt, tu souriras de nouveau. Amen. Parce que même la Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se... Ma fille, je vois ta joie venir. Amen. Bonjour, mon père. Bonjour, comment tu vas? Ah, ma petite, bienvenue. Tu es là? Je t'ai apporté cette nourriture parce que je sais que tu ne peux pas préparer. Donc, je t'ai apporté ça. Je t'en prie. Attends. Donnez-moi ce repas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis ce repas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant que, quand tu mangeras de cette nourriture, amen. Elle t'apporte une guérison parfaite. Amen. Toute main maléfique qui a été maudite sur cette nourriture pour te faire du mal, je leur ordonne de disparaître au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons... Amen. Ah, s'il vous plaît, non. Ah, je vais confesser. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais confesser, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je vais confesser, s'il vous plaît. Je vais confesser, s'il vous plaît. Je suis désolée, s'il vous plaît. Ok. Ça va aller, tu peux te confesser. Je suis la responsable de ta situation. Maman, tu... Ça va aller, ma fille. Je suis désolée, s'il vous plaît. Je suis responsable de ce qui t'est arrivé au pied. Amarati, qu'y a-t-il? S'il te plaît,
N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Je ne vais pas oublier. Il a dit que tu dois appeler son nom 7 fois. Je sais. Et ensuite, tu le verses à son entrée. Fais-moi confiance. J'espère que tu ne vas pas oublier. Je ne vais pas oublier. Ne t'inquiète pas. 7 fois, tu comprends? 7 fois. Fais-moi confiance. Je te rendrai fière. Mon Dieu te bénira. Ne t'inquiète pas. Allons-y. On aura des bonnes nouvelles bientôt. Je suis désolée. Je croyais en toi. Je t'ai pris comme une sœur. Je ne savais pas que je pouvais me traiter ainsi. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Je suis la cause de tout. Je suis la cause de tout ce qui t'est arrivé. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Ça va aller. Ça va aller. Effet-tu, dirais. Comme ton nom l'indique, essuie tes larmes. Effet-tu, dirais, essuie tes larmes, ma fille. Je suis désolée. Et j'ai foi que tout ceci est arrivé pour que son nom soit glorifié. Ma fille, tu dois chercher une place dans ton cœur et lui parler. Parce que sans le péché, il n'y aurait point de pardon. Parce que même la Bible dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais il dit dans Jean 10:10 que le Christ est venu pour nous donner la vie. Et nous donner la vie en abondance. Et je pense que c'est pour ça qu'il t'a laissé en vie jusqu'à ce jour. Pour que son nom soit glorifié. Alors s'il te plaît, je t'en prie, trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. Parce que la Bible dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc tu dois trouver une place dans ton cœur et lui pardonner. Trouve une place dans ton cœur et pardonne-lui pour que Dieu puisse parfaire ta santé. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Il fait tu dire. Oh non. Il fait tu dire. Tout ce qui a été écrit par Dieu arrivera. Ils ont cru que tu ressentirais une douleur sans fin. Mais aujourd'hui, notre peine est terminée. Nous sommes guéris. Nous sommes plus forts. Merci, révérend. Merci. Ça va. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci. Mon père. Car même les Écritures disent que les attentes des justes ne seront jamais interrompues. Amen. Je savais que tes mains étaient pures. C'est pourquoi Dieu t'a gardé pour que son nom soit toujours glorifié. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement.